Bonsoir et merci encore une fois. Bienvenue sur la plateforme Haïti Éduaction. Jeudi à 16 mai, nous avons une spéciale présentation dans l'occasion fête drapeau pays d'Haïti. Avant même que nous commencions quoi que ce soit, nous avons une pensée spéciale sous question ça, son aspect qui n'a pas fait l'objet de controverses, qui est toujours à l'abri de toute forme de discussion. C'est la participation de cette femme nous, depuis la traversée, passer dans l'esclavage, tomber dans le goumen, passer dans le fait drapeau, jusqu'à ce que nous existions comme pays. Contribution femme yo, à saluer tout le temps avant même que nous commencions la présentation. Ça. 6 1er janvier, mobiliser en pile énergie. Et cependant, aspect familial li fait que il pas mobilisé autant d'énergie que 18 mai. On dirait que 18 mai, c'est grande fête nationale qui mettait communauté noire dans l'état que lié. Et c'est un phénomène qui surprenant l'on a observé. On dirait que Gombagay qui sorti, qui vient résoudre, ne serait-ce que pour journée ça, crise d'identité que nous gagnons parce que les Sahanois haïtiens juste dans zone. Particulièrement éducateurs yo qui gagnent possibilité dans certaines écoles pour yo les jeunes yo particulièrement et les jeunes yo c'est comme si yo en transe ce jour-là. Et me pense que et l'on perspective malgré que tu es capable de gagner nécessité li existe pour énergie ça canaliser. Mais présence énergie ça a déjà autorisé nous continuer espérer le changement pays d'Haïti. La question symbole nous connaît les n'a parlé de drapeau et ben c'est symbole pays nous et pays nous aujourd'hui a traversé un moment très difficile. Et que c'est l'en parade, que c'est l'en discours, que c'est la festivité toute qualité ça qu'a fait yo Haïti Éducation pas souhaité lui-même rater type d'occasion ça yo pour lui répondre à mission que le bail tête lui. L'en considérer gros l'histoire derrière drapeau nous. L'en considérer qu'aucune fierté tout que ça bail et pour cause. Et l'en a observé réalité pays nous aujourd'hui à que drapeau a symbolisé. Eh bien Haïti Éducation prend position côté que l'al bousquer, le continuer bousquer toujours la communauté a pour joindre compatriotes qui kembe connexion avec milieu yo et qui dispose mettre compétences au service de communauté yo. C'est ainsi que li brasser bras pour bras avec meilleur mode production pour nous un petit peu à côté de toute ça qui semble folklorique mais pour nous faire un travail d'interaction pendant moment pour le passer là jusqu'à 8 heures avec en tête nous l'espoir pour nous inciter compatriotes continuer goumen parce que histoire ba nous rendez-vous jodi a pour nous continuer écrire parce que ça fait pays d'Haïti a aussi belle que lié aussi extraordinaire que lié l'époque fini. Jodia et nous gagnons deux conférenciers qui habituent venir sur plateforme Haïti Éducation. C'est docteur Roselor François et docteur Pierre Modestin Lubin. Et bien la rencontre spéciale ça que nous gagnons jodia. Présentateur yo pral passer pral font travail l'on approche qui gagne la donnée psychologie, sociologie, politique et l'histoire pour toucher 4 points. Il y a passé de rapport, il y a passé histoire de rapport en bas microscope pour déterminer qui ça vrai et qui ça faux dans l'histoire de rapport ça bi colonne noire. Il y a utilisé un cadre théorique psychoanalytique pour porter lumière sur formation différentes personnalités à identité haïtien qui engendre différents courants idéologiques qui existaient dans la société haïtienne. Il y a démontré tout ça qui fait le difficile mais pas impossible
pour l'Union fait la force atterrir en Haïti. Puis important, et c'est très certainement toujours raison ça, particulièrement de M. Sayo qui fait nous toujours inviter conférencier Sayo, c'est quatrième partie. Ya. C'est qui plus important encore, c'est que yo pral offrir bon gens recommandation comment pour l'Union la force là blaï en Haïti. Et c'est aspect ça surtout Haïti Éducation très sensible avec lui, il connaît monsieur pas jambe lésiné sous parler exactement gens yo comprendre situation yo à la lumière de recherche yo et de analyse yo. Ou recommandation toujours bon parce qu'en réalité monsieur yo là yo fin analyser question on t'a vle dit pour nous-mêmes l'on fin compte tout ça fin constater tout ça ça n'a pas fait à ça qui ça qu'a fait à ça qui j'en a fait pour nous sortir dans ça qui ça nous qu'a fait pour nous sortir dans ça et pas qui ça nous pral commencer pour nous sortir dans ça. En guise de rappel, Dr. Pierre Modestin Lubin, c'est un éducateur expérimenté et qui enseigne à l'Université McGill, dans le département des études intégrées, dans l'éducation. Après une carrière distinguée qu'il a fait dans Marine Corps aux États-Unis, il prend un baccalauréat en psychologie dans l'Université et de New York. Il fait une maîtrise en développement et éducation internationale avec une spécialisation en curriculum et enseignement à l'Université Columbia. Ils font l'autre maîtrise en éducation comparative avec spécialisation en psychologie organisationnelle, toujours à l'Université Columbia. Et ils font doctorat en études éducationnelles à l'Université McGill. Docteur Lubin, il y a tout une spécialisation à une certification en éducation spéciale et en administration et supervision scolaire. Il a accumulé plus que 20 années d'expérience dans l'enseignement préscolaire, maternel, primaire, secondaire et universitaire. Son parent, son humaniste, son nègre, ça m'a ajouté lui. Il n'est pas côté me prend bio, mais son nègre, code nombril, coupé avec Haïti. C'est Haïti le coupé, donc ça veut dire ma connaît avec dans toute ça l'a fait, toute étude ça que nous dit, eh bien, il était déroulé avec Haïti au centre dans tout travail de recherche. Docteur Roselor François, son spécialiste en éducation, après que le fin prend licence, il prend diplôme de licence en sciences éducation avec une concentration dans l'histoire de l'Université Adventiste Haïti, il fait une maîtrise en sciences éducation avec une spécialisation en administration scolaire dans l'Université Montemorelos au Mexique. Ensuite, il fait l'autre maîtrise en leadership éducatif et ils font doctorat en études éducationnelles dans le département des études intégrées dans l'éducation dans l'Université McGill au Canada. Docteur François Tour a accumulé plus qu'une vingtaine d'années d'expérience dans l'enseignement primaire, secondaire, supérieur en tant qu'enseignant, formateur de formateurs, doyen de faculté, chef de projet éducatif, auteur dans le domaine littérature, jeunesse, et conférencier, chercheur et consultant. C'est toujours un plaisir qu'Haïti Éducation plie le bien bas pour saluer M. Sayo, qui par exemple marche des concours pour répondre à l'appel. Et je dis assez doublement à contentement parce que occasion spéciale. Docteur Roselor François, Docteur Pierre Modestin Lubin, bonsoir dans toute équipe Haïti Éducation, plateforme pour nous. Bonsoir Zamim Prem Osimi et bonsoir Nadège et bonsoir toutes amis Prem Sem haïtien qui branché et conférence là dans Haïti éducation actuellement. Je suis content en pile avec nous, c'est un plaisir pour moi avec nous surtout pour nous parler de Haïti, de l'histoire d'Haïti. Donc c'est un grand plaisir pour moi. Moi, sans plus tarder, on a commencé. Jean-Titre, pour qui ça? Oh, eh bien, ma petite justice, ça a commencé ou bien on fait ça après justice? Ma fait ça, on met. Ok.
OK, donc pour que ça l'union fait la force pour qu'on caractérise en Haïti. Et nous gagnons. Petit moment, problème technique. OK. D'accord. Nous démarrer. Alors, grand point, yo, d'abord, on a présenté l'approche que nous avons adoptée dans la présentation. Ça. Ensuite, on a présenté coup de jet un bricolet critique, parce que nous toujours défini tête nous comme dans l'histoire, comme un bricolet critique. Avec nous faisons le bricolage historique sous historiographie de la voie. Ensuite, on a présenté les principales composantes d'une nation. Et puis, on a parlé de pouvoir symbolique, parce que nous connaissons le drapeau, le bon pouvoir symbolique là-dedans. Et ensuite, on a fait un coup de jet critique sous l'idée historique, yo, avec drapeau, yo, tout drapeau. Yo. Et finalement, sixième partie, on a passé Conan et camarade de justice pour lui faire une analyse psychologique sous Zach, l'idée historique. Ça, Zach avec comportement, l'idée historique. Ça, OK? D'abord, approche nous adopter là. Présentation ça. Nous disons que étude drapeau généralement, il y a les son science liée, en sciences sociales, il y a les livres vexillologie. Donc, étude drapeau, ou bien la vexillologie, il est par nature multidisciplinaire. Et donc, il engage plusieurs disciplines. Et nous venons par exemple chercheurs dans le domaine art, domaine histoire, domaine anthropologie, domaine études afro-américaines et l'autre discipline encore, faire recherche sous le rapport dans le domaine paille. Donc, et ça fait, ça c'est selon un chercheur, Platov, Anne Platov, dans l'Université de Californie. Et ça fait, là, présentation ça, nous adopter une approche pluridisciplinaire. Approche chacun ta job là. Parce que, pas bien que Haïti, Haïtien, sont en Afrique, c'est africain, oui, en fait. Donc, nous faisons une révolution africaine en terre américaine. Donc, nous utilisons approche pluridisciplinaire chacun ta job là pour nous analyser. C'est-à-dire, c'est analyse du phénomène africain, quand on utilise des outils ou bien deux ou plusieurs outils dans plusieurs disciplines. Et, les outils, ça, on l'a utilisé, chaque discipline il y a une bénéficier de nouvelles connaissances dans champ par séparément. Donc c'est approche ça que nous disons, approche chacun ta job. Et discipline qui alimente réflexion yo, ça vous voyez, c'est histoire, oralité, politique, anthropologie, éthique culturelle. Alors, je dis à le gars dans se confond éthique culturelle avec sociologie, ouais, et psychologie. D'abord, nous essayons de faire un coup de jet en tant que bricolage, en tant que tenant de bricolage critique. Nous essayons de faire un coup de jet sous critique sous narrative de rapport. Et nous regardons que, en pile, nous connaissons que le plus fort historien haïtien, c'est généralement c'est un pile mulat. Dès le départ, c'est un pile mulat. Et nous voyons que c'est plus mulat qui te fait mémoire et tout, et c'est, excepté peut-être c'est l'ouverture avec Isaac l'ouverture. Après ça, toute notre mémoire, qu'elle était Bonnet, qu'elle était Rigaud, qu'elle était Julien Raymond, qu'elle était Balthazar et Trésorier de Saline. OK. Tout écrit, et mémoire, écrit histoire, donc c'est ce que nous. Ensuite, David Nicole parle de un peu l'histoire de ça. Et qui écrit histoire, qui construit un mythe pour les mulattes. Et bi histoire mulatte ça, ça lié que ce soit Saint-Rémy, que ce soit Ardouin, excepté Madjou, mais tout mulatte ça, il écrit histoire d'une seule bi. C'est voye Pétion monter, puis haut passer tout l'autre monde. Donc Pétion, nous connaissons qui c'est le leader classe mulatte là, donc c'est monsieur écrit histoire pour voye monsieur monter. Ma bon exemple, Saint-Rémy dit que Pétion Anne Alexandre n'a qui a pas au prince le 2 avril
1770, monsieur dit, nul ne fut plus grand avant comme après dans les faces de l'Amérique. Ouais. Monsieur dit, pas de monde qui plus grand par ses pétitions, ni avant ni après. Ouais. Donc, pour montrer que Negio, vraiment, Negio, c'est pétition, c'est lui-même qui s'en est comme d'Alou, qui focus sur l'histoire. Et ensuite, nous entrons là maintenant dans la diversité sociale. Majoua Kadouin, il a interrogé un plus ancien soldat la guerre de Palestine pour l'histoire, selon Philippe Girard. Mais nous voyons que, il y a l'autre source qui, même plus valable, parce que c'est sous ça. Parce que nous connaissons que Andan Vodoua, c'est là qui gagne masse là, masse ancien Bossalio. C'est là qu'on a une perspective ancien Bossalio, Andan Vodoua. Et tradition, histoire, conte, chanter, société secrète surtout. Ouais. Donc c'est là, on mémoire pour exploiter, pour écrire l'histoire. Et nous avons fait par exemple, bon monde, bon anthropologue, qui est Anne Leslie Brice, une haïtienne, qui est à l'Université d'Irlande, qui fait son gros cher sous ça, sous mémoire, avec pouvoir en Nambodoua. Donc, et, par exemple, mon personnage qui est important, puis dans l'histoire de Saline, dans l'histoire d'Haïti, ou femme, que l'histoire qui est là-bas, c'est Baïdoli. Ouais, c'est Grand Guiton dans la carrière. Ils ont un gros rôle dans ça. Donc, c'est mentor, et on a mentor, on a conseillé de Saline. Donc, c'est plus dans l'histoire, on a le droit, on a plus à parler de Grand Guiton dans la carrière, la méhote. Alors, l'autre chose à voir, c'est l'archive. Histoire, ça, officiel, on pas utilisé l'archive coloniale. Et il y a absence de documents archivio dans le travail et historien haïtien. Selon Michel Hector, c'est seulement Gérard Métor Laurent qui a chance de consulter une partie dans l'archive. Après ça, l'autre historien haïtien, il a ignoré ça. Et ça fait, après travail historien, alors anthropologue haïtien, et Michel Wolf, qui a fait, dans l'année 90, eh bien, mon académie anglophone vient mettre un bouton gros intérêt, gros focus sur l'évolution haïtienne. Et c'est ça, d'après Dr. Lou, c'est Lucien Joseph Relé, The Haitian Turn. Et tournant haïtien. Donc, on va gagner en pile, plusieurs centaines de nouveaux travaux qui fait avec archives sous histoire de la révolution haïtienne. Donc, il y a là, vient l'autre perspective qui est développée. Ça fait un travail ça que nous avons là, nous utilisons en pile dans le monde, en pile dans le nouveau travail qui fait. Ouais, par exemple, un travail que nous utilisons en pile, c'est le drapeau vaudois, norme sacrée du vaudois haïtien, ouais, donc, que Anne M. Platoff utilisait. Nous utilisons tout le travail de Dayan Johan, dans l'Université Berkeley, Californie. Travail tout haïtien, non tout haïtien que nous avons, Anne-Lessie Brice, Gérard Magloire, tout notre haïtien de nous. Donc tout ça, c'est nouveau travail qui fait sur ça. Maintenant, nous entrons dans la principale composante de la nation. Une nation qui est à peu près, selon Guillaume et Og, et collègues chercheurs, qui est à peu près 10 composantes. Ou bien composante spatiale là, c'est territoire là, frontière, ouais. Ensuite, ou bien composante humaine là, un groupe de monde, hommes et femmes assez homogènes. Ou bien composante idéologique là, quand on a une mémoire commune de l'histoire et mythe et royo. Ou bien composante culturelle là, langue, folklore, religion, compétences, valeurs, etc. Ensuite, ou bien composante symbolique là, c'est un drapeau ailleurs, nom, emblème, hymne et devise. Ensuite, ou bien composante encore, composante sociale, composante politique, économique, juridique, temporelle. Et, il y a une composante symbolique, ça a gagné un pouvoir symbolique. Il y a un pouvoir symbolique. Et là, on parle de pouvoir symbolique. Mon chercheur qui fait un pile de travail sur ça, son référence lien, par rapport à lui-même, c'est Bourdieu. OK? Femme d'où bien que Bourdieu parle de pouvoir ça. Il dit que c'est un pouvoir de nommer, classer et situer qui est posé à énonciateur et à destinataire une définition de la réalité. À travers le processus, ou par dissocier de cognition, de communication et de contrôle. Parce que tu dis que son pouvoir pour faire mon ouais, faire mon quoi, pour confirmer, pour transformer vision du monde. Et elle dit là, bon action sur le monde. Eh? Donc, bon pouvoir quasi magique qui permet que vous venez obtenir l'équivalent de ce qui est obtenu par la force physique et économique. Ouais? Donc, son pouvoir qui est très puissant. Pouvoir de mobilisation. Elle dit, pouvoir ça,
son pouvoir qui reconnu, qui reconnu. Et là où par exemple you moon ou un symbole ou pas un pouvoir, mais c'est parce que ou dans l'arbitraire, de vous dans l'arbitraire ou pas un pouvoir, parce que ou pas symbole là pas fait effet pour le faire. Et vous je dis encore, le pouvoir symbolique il pas chita dans le système symbolique, par exemple il pas chita dans la chose la même, c'est pas là. Là, son force illusoire, objet aïe. Il nous pouvoir définir surtout la relation déterminée entre ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui le subissent. Ça veut dire ces relations entre monde qui porte ce symbole là avec monde qui recevoir ce symbole là. Donc, ça important en pile, ça fait ça nous mettre en rouge parce que nous avons plus de encore. Exemple, pouvoir moyo. Moyo a un pouvoir, mais ce n'est pas moyo en tant que tel qui pouvoir. C'est légitimité moyo et avec moun ka prononcer moyo avec dit moun ki pété croyance dans moyo. Donc là encore c'est moun ki pété ka prononcer moyo, c'est moun ça qui fait qui a pouvoir, qui a impact. Ouais, donc c'est pas moyo qui produit pouvoir, mais c'est surtout moun ki ba moyo légitime nan moun lè a prononcer moyo. Nous gagne exemple par exemple Carlos Duvalier. Carlos Duvalier était venu avec symbole, tu utilisé deux plus gros symboles la révolution haïtienne. Qui c'est d'abord idéal des alignés, hein? Et ensuite, drapeau, premier drapeau nation, drapeau noir et rouge là. Donc nous voyons que Duvalier même toujours dit, c'est plus gros tort, monsieur fait nation. Les monsieur perverti, deux plus gros symboles nation ça. Vous avez dit, c'est drapeau noir et rouge là, et vous n'avez pas parlé, vous avez associé drapeau ça à Duvalier. Alors que c'est drapeau nation, premier drapeau nation. Et que l'autre monde qui dit que c'est Duvalier, qui perverti symbole ça tout. Parce qu'il y a parlé de, il y a un bouchon qui dit que c'est Duvalier. Mais il n'y a pas de pouvoir de saline. Action, pas de pouvoir de saline. Ni politique, ni idéologique, pas de pouvoir de saline, mais il a dit que c'est des saline, donc il a perdu ce symbole-là. Il a fait minimiser, dévaloriser. C'est là pour aller. Eh bien, il dit, la population est là, ça son moyen naturel et puissant pour exprimer point de vue sur nation. Donc, des pouvoirs de la pouvoir ou une nation. Et drapeau fait partie de la subjectivité. Ça veut dire qu'il est connecté avec tout ça nous lié. Drapeau est un symbole puissant lié. Symbole-là, aussi que scientifique, que littéraire, que religieux, que philosophique, que esthétique, que métaphysique. Symbole-là, il y a une acception morale. Ou pas qu'à séparer de l'acception sociale-là et politique-là. Ils le font seuls, ils ne connaissent pas ensemble. Je dis pas important. Ça veut dire que le pouvoir symbolique se définit dans et par une relation déterminée entre ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui le subissent. Entre moun kap exerce le pouvoir et moun kap subit le pouvoir. Ces relations, c'est le même qui est important. Ça fait, nous allons mettre en phase sur ça, sur l'idée historique, la relation avec masse peuple. Ça a côté comme bien-être pour masse peuple. OK? Mais ça y a voyé à quoi masse peuple. L'idéologique. Couché sur l'idée historique, ça. Nous considérons vraiment un groupe de leaders historiques. D'abord, Christian Louberti, André Rigaud, nous avons 350 Rigaud de que Majou dit, next a un gros rôle dans devenir pays. Les 350 Rigaud pendant la guerre du Sud, les négociations finissent par défaite là. Ils sont partis avec Rigaud, avec Pétion et tout next a eu, il y a en France. Et ils ont sous battre expédition. Donc, next a un gros rôle dans devenir Haïti, j'en ai dit. Ensuite, nous avons Henri Christophe et avec Dessalines. Donc, c'est à peu près ce groupe Mounsaïo que nous avons le leader historique. Et maintenant, nous voyons chaque Mounsaïo drapeau. Tout ça, Louverti. Drapeau, monsieur, c'est bleu, blanc, rouge, la France, non? André Rigaud, bleu, blanc, rouge, la France, non? Dessalines, bleu, à rouge, là. Ensuite, Bingé, noir, à rouge, là. Henri Christophe, noir, à rouge. Et Pétion, avec Rigaud, bleu, à rouge. Et puis devant, nous voyons la signification, quelques drapeaux, ça. Et ça a été porté comme symbole, comme message. Et sa couleur, tout couleur signifie tout. Maintenant, mission l'État. Premier État nation, l'État de Saline, non? Mission, c'est de défendre l'indépendance pays à protection liberté. Et d'après Jean-Alix René, il dit, de Saline, te batte comme mission pour te défendre l'indépendance là et protéger liberté. C'est ça que fait. De Saline, te gagne un rôle, papa, liberté, à protéger liberté, et voilà, c'est ça. Ouais. Et ça, monsieur, t'es gagné de faire, ça, t'es gagné de faire. Plan, c'est de mettre en place un État puissant qui est capable de satisfaire l'exigence, contexte hostile
moi la critique là parce que c'est une hostilité contre Haïti. Haïti vraiment tout le monde veut faire bagarre sur Haïti, donc nous mettons les gens est puissant, ils ont pire de liberté, j'en te dis là, ok, côté de vous tous les ça ou libre mais sont en pire qu'à défendre liberté. Et les amis, nous avons compétence pour ça, nous avons expertise pour ça, nous avons capacité pour ça. Et ça fait mandat, monsieur, premièrement, pour priorité, nous avons un mandat là. C'était ça, mandat, c'était ça, c'est comme priorité, défendre la liberté. Et ça, c'est sous tête tout l'autre intérêt particulier. Et ça fait, selon l'autorité, je vais vous dire ça, tout citoyen, vous avez fait intérêt, paix, fait intérêt, fait silence. Chaque fois que l'intérêt ça, il contredit défense et dépendance de la liberté. Depuis l'intérêt ça, aller à l'encontre de défense de la liberté, c'est faire le dormi. Donc ça fait un sens de savoir que n'est-ce que Christophe et Pétion, vous trahissez par ça. Parce que vous pouvez mettre l'intérêt sous tête ça, vous pouvez diviser le pays, après le pays, il y a Haïti qui parle de problème. Et, monsieur, vous prenez engagement. Vous prenez trois gros engagements. Premier gros engagement, c'est l'acte de dépendance. Vous avez juré solennellement, puis vous renoncez à la France. OK, et des engagements, yo jure, yo dit que yo reconnaît que des amis c'est protecteur liberté là. Tout peuple là d'accord, peuple là rien monsieur, peuple là d'amour monsieur, yo que peuple là quoi là monsieur qui a défendre liberté là, yo va monsieur va me pouvoir. Yo dit monsieur nous nous pas comme gouverneur général la vie, yo va me pouvoir. Yo jure pour ça et tout n'a signé. Au nom du peuple d'Haïti, yo signé. Tout général aussi en balle. Premier engagement. Deuxième engagement, c'est la constitution encore. Yo déclarer que constitution ça c'est expression libre, spontanée et invariable de cœur de volonté de tout le monde net. Et au bas de la constitution, application sur un pays. Engagement solennel. Et ça fait qu'on fait ça. Parce que déjà, il y a un pouvoir légitime. Un pouvoir légitime. Un pouvoir. Faut dire bien, il y a une crise, il y a une grosse crise. Leader émergé. Il a qui expertise là, il a qui capacité à c'est même qui émerger comme leader légitime. Moun ka pote réponse là, moun ki ka défendre ki a résoudre crise la gagne, c'est le pouvoir légitime dans la main. La moment ça, des alliés avec génie militaire là, avec ça te fait surtout comme action déjà. Ça te fait comme expérience, comme action, comme bilan que tu gagne déjà, c'est balle légitimité. Historien dit que je dis que Pétion, il a quitté très bagarre, très formé, très bagarre, il a en pile de capacité de mobilisation. Il s'est mis le chapeau devant des salines, il a fait des gens qui sont capables de faire ça. Et nous changeons vraiment la canne à Pierrot, le son de l'éclair là, avec le général français, la plus grande armée du monde, 700 personnes contre 15 000 personnes. J'aime se battre avec la canne à Pierrot. Donc, son jeune militaire qui était reconnu nationalement comme internationalement. Il était permis sur un pile de saline. Et, exemple, Jean Christophe. Pétion, les détails de Mouyoukin, Pétion, par une commission, la vice et d'option, la capote de pays. Pétion capitulé. D'après document, qui rapport commission ça a fait, qui n'a archivé en France, David Nicole dit que Pétion est fini d'accord pour le bail et la France est il là. Pour la France, il y a des esclavages, il y a des esclavages, la France, il y a des esclavages. Il négocie avec Nagyon. C'est Christophe qui a un plan de défense dans zone nord. Christophe avec l'Angleterre, qui a un contact, qui a pression sous pression. Et ça fait que là, Pétion qui a été dans une bataille, il l'a fait, il a obligé de battre une bataille qui proportionnelle à sa débat. Il a proposé de couper un indemnité pour le bac colon, un indemnité. Donc, monsieur dit que la peine d'amitié, et monsieur, il ne faut pas faire ça. Que Boye va l'appliquer. Boye ne va pas le faire. Vous comprenez? Donc, Pétion, pas d'expertise. Christophe Lim, Christophe tué Medina. Christophe a tué Medina. Mais monsieur Lim, Pétion capitulé. Parce que Christophe est un militaire, aguerri, qui n'a quitté celui de Saline, qui n'a quitté en pile de Saline. De la libération, 18 mai, 1803. Liberté ou la mort, bleu ou rouge là. Des alliés depuis le mois de mars, il y a un petit février, il y a un petit mois de mars, des gens qui ont couru vers ça, sur le drapeau et bleu, blanc, rouge, vert, ça, c'est le même drapeau, nous, drapeau ingénieur, et même drapeau haïtien. Donc, des alliés, brigade, vous avez des alliés, ouais, mais ça, c'est une fête, ça, change de voix. Il y a un blanc, il fait bleu, rouge, là. Maintenant, il y a des gens qui pensent que bleu rouge, ça, c'est même bleu rouge qui est la France. Les Haïtiens ont changé pour la nec, s'il te plaît.
Ça fait que les mêmes couleurs, ça, même bleu rouge là. Eh bien, c'est parce que ils ont sens pour lui. Quel sens bleu rouge ça a gagné en tête de Saline? D'abord, forme nous bien. De Saline fait drapeau ça, il fait drapeau ça sous symbole, un symbole d'unité. Bleu ou ça, il va représenter Mdadou jaune avec noir. C'est-à-dire moun poklè mulatou avec noir. Non. Mais De Saline a un discours d'unité. Parce que on nous dit là noir et jaune. Il dit que entendons-nous parce que nous avons même seule famille là. Nous avons même calamité on a passé, même misère tout pareil, donc même soit réservé pour nous-mêmes. Et l'air dit ça parce que je connais que l'éclair était par l'ordre de ma mission, par l'agent, avec une armée pour éliminer toute la planète. Et justement, ça avec l'aide, ça a de servir, disait pour rallier les gens. Ok? Donc, monsieur Pierre l'éclair, il connaît que rêve la France, mission la France, c'est de détruire tout et tout net. Donc, ça fait, monsieur dit que nous avons le même bateau, entendons-nous. Et monsieur dit que tout autant que nous pas entendons-nous, il dit que. Liberté nous dépend de l'entente ça, de l'union ça. Ok? Donc c'est Saline qui vient avec l'union faire la poste. Et c'est garantie liberté nous, tout ce que nous pas entendons. Si Haïti besoin, vraiment, besoin démarrer, besoin sauver, faut que monde noir et monde jaune entendent nous. Et là, on entend la fête, nous sommes invincibles de Saline. Nous sommes invincibles. Lorsque nous sommes dans le Gaba, de Saline, Bantonner, de Saline, nous sommes invincibles. Ok? Donc, et me dit ça, l'homme la patriote, pas qui a battu. Nous sommes dans Gaba, nous sommes dans Bantonner. Ok? Et nous connaissons encore Alain Burel. Ouais. Nous connaissons encore Guilodé. Et ça, patriote en pile. Ouais. Donc, c'est et là, ça lui a été. L'union fait la constance, c'est l'allié. Ouais. Ensuite, ils sont classiques aussi que couleur de la voix. Couleur bleue, elle représente les Haïtiens qui pitent africains. Ok? Tandis que couleur rouge, même, c'est couleur c'est Haïtien pitent européens ou africains. Ça vous dit comme interprétation traditionnelle là. Mais non, il n'est pas salié. En tête de Saline, il n'est pas salié. Non. Drapeau, son indicateur que lui. Et je dis que c'est difficile pour comprendre si tu casses le drapeau comme indicateur individuel ou bien un groupe de drapeau, sans ou pas examiner contexte côté drapeau, côté indicateur, ça a eu créé et utilisé. Ça fait important pour utiliser le contexte pour comprendre. Sans signification pour le drapeau bleu rouge. Certains historiens disent que Dessalines te parlait en langue Congo. Et Congo, ça, son attribution que pour nation, tribu africaine, que Arada, Nago, Congo, Fon, Igbo, Bambara. Et on dit que son langage tout, que moun qui initié en Vodou, il parlait tout. Donc, ça montre que Dessalines son qui était initié en Vodou, son Vodou Zanté. Et effectivement, Karen McCarthy Brown, si tu n'es pas Amnesty Brice, dit que si vous avez besoin de comprendre Dessalines, c'est à travers le prisme de Ogou Ferraï. Ogou. Formez-le l'en ligne Ogou pour comprendre Dessalines. Pour comprendre l'histoire, torture, triomphe de Dessalines. Pour comprendre l'histoire, libération. Parce que Ogou Ferraï marque bataille, marque toute ligne politique, l'idéologie révolutionnaire. Là. Récit, on dit que Dessalines était choisi, selon l'historien, quelqu'un qui dit que Dessalines était choisi pour les drapeaux ça, sous une religion vaudou. Laisse aller de là en top, l'enmerotte, la caille grande guiton, à caille. C'est là que j'ai choisi couleur. Et rouge et bleu, il symbolise Dieu vaudou, Dieu de la guerre, au goût. Ogou ferraille, Ogou Badagri, Ogou Chango. Ogou, conquérant, soldat, politicien, protecteur, selon Anne Plot. Et Max Beauvoir lui-même dit que bleu rouge là, c'est Ogou ferraille, Dieu de la guerre et de la politique, selon Diane John. Maintenant, valeur spirituelle couleur. L'Avodoua travaille, Anne-Marie Petoff, et pour travailler sur ça, lui montre que toute nation et loyaux, nation, famille, et couleur. Il y a par exemple telle loi dans qui nation l'a appartenu, qui famille l'a appartenu, elle va domaine influence loi ça, elle va couleur. On travaille qui fait bien lui,
et couleur pour chaque loi ça. Ouais, par exemple, il dit que Bossou Petro est associé à la food, à la facilité, à la protection contre les dommages. Et couleur c'est rouge, noir et blanc. Azaka, Zaka, Rada, protecteur de l'agriculture, des récoltes, bleu et rouge, etc. Ogou, par exemple, Ogou, bien Ogou, Rada Petro, loi du fer et de la forge, triomphe, autorité, pionnier et pouvoir. Souvent représenté comme général militaire. L'ultime esprit masculin qui est le maître du fer et seigneur de la guerre. Ouais, Ogou également utilisé pour désigner toute une famille de lois. Machette, épée, enfoncée dans la terre, etc. Échappe rouge et drapeau rouge, la couleur rouge, c'est couleur Ogou. Ok? Donc, nous voyons que bleu rouge, la ligue, la signification de Dessalines. Ok? Maintenant, Dessalines change drapeau A, il retire bleu, elle met le drapeau, c'est pas noir. Et tout qui était rouge, là, c'est couleur Ogou, couleur protection, couleur liberté. Maintenant, nous avons noir, noir. Noir, la constitution. Nous avons interprété parce que la constitution dit que debout nous, selon l'article 14, 16 constitution, 14 à 16, debout nous, sous terre ça, côté blanc, côté jaune, côté là, c'est noir, oui, noir. Et ça, il valorise le noir là. Et tout, d'après nouveau, et alors, nouvelle anthropologie, sur l'histoire révolution haïtienne, il dit que, ça, une couleur noire, ça, son couleur qui était en bas, qui a passé en papier, et bien, il se prend, il le met dans l'air. En l'air, il met dans l'air. Donc, c'est ça, noir représente tout haïtien. Et c'est ça, Gérard Magloire dit là, la constitution de 1950, ça a changé les bandes bleues, elle met dans le noir. Ok? Il représente tout, tout le monde, toute couleur. Mais pétion, les pétions pas changer. Tourner avec, après la vision de design, il y a tourné avec bleu ou blanc. Et nous, pétion changer disposition. Il retire les bandes verticales, elle met dans les bandes horizontales. Et nous, avec grand pile, les initiés au mystique qui dit que, les pétions retirées verticales là, ça a son gros. Sur le plan mystique, monsieur font un gros dommage. C'est comme dans le monsieur retiré jour, ce pays-là, et puis monsieur met des ténèbres. C'est ça, en plus, mon nègre mystique, avec formation initiée, il le dit. Bon, on va entrer dans le point ça. Mais Gabo Pétion. Gabo Pétion, Gabo 300 Rigaudin. OK? Et couleur rouge ça, et bleu rouge ça, et d'après ça, ils ont leur signification lui-même. Parce qu'ils disent directement de. C'est comme nous, les détails ont été blancs, les gens pensent que c'est pour la France qu'ils déprennent, ils retirent blanc, ils mettent. Alors que bleu, ça, ou la couleur qu'il y a là, c'est la couleur de la ville de Paris. Et on dit couleur blanche, c'est emblème, moi, je pense à ça. Ouais. Donc, bleu, c'est bleu d'azur, couleur symbolique de Jupiter, consacrée à l'occidentalisme. Donc, c'est couleur occident. Les affaires. Monsieur, ça a été opté pour un Haïti ou République. Une République très franco-centrique. Même projet République de la France, là, dans le valeur République de la France, c'est le même que valeur domination. Moun noir, moun pauvre, moun noir, etc. C'est lui même qui a incarné en dedans de la République de ça. Toussaint Louverti, qui définit être comme un Français. Je dis, c'est parti, monsieur, c'est Français. Ouais, le texte, c'est le même qui dit le même. Je dis que je ne servis pas ma patrie pour l'intérêt. Je n'ai pas servi ma patrie pour l'intérêt. Ouais, donc monsieur comme un Français. Et monsieur dit que je n'ai jamais essuyé même des reproches de la part de mes maîtres. Ça, c'est grave. Hein? Donc c'est un esclave qui était docile, Donc, donc son Français. Donc monsieur était épousé. Je nous dis dans son agent colonial. Ouais, qui était voué à la France et qui était croyé à la France. Et monsieur payé. Ça, il paye les conséquences de ça, il paye ça. OK? Napoléon dit que c'est le plus généreux, le plus modéré des généraux noirs. Et dit que, tandis que Dessalines Christophe Clairvaux, c'était les plus exagérés, les plus opposés à l'autorité de la France. Et c'est pas hasard qui va avoir question avec qui partit signer avant, depuis avant une déclaration d'indépendance. Dessalines Christophe Clairvaux. Rigaud, une déclaration que, qui bâtit base politique parce qu'il y a Rigaudin. Frères du Sud, deux classes d'hommes, classe des sympathiques et la classe des dégoûtantes. Classe des intelligents, classe des incapables. OK? Monsieur dit place incapable, c'est la montagne, il y a une chasseur dans le monde. Et n'a pas que ça, idéologie, ça fait Rigaudin, hein? Il pourrait aller influencer politique Rigaudin. Que des pétitions, que des boyers, tout n'est. La France, selon
Henri Gastonnet, la France n'avait pas renoncé à son à ses domaines. La France était voyée Rigaud avec et un escadre de 4 frégates et de 4 briques qui était un l'ordre pour être accompagné pour Rigaud prendre il l'a encore pour la France. Et on dit que là Rigaud rentre en Haïti et puis monsieur mourit très rapidement. Ça vient faire que ça ruine l'espérance. Et pas moi qui dis, c'est Henri Gastonnet qui dit. Ouais, je dis que Rigaud est interné d'abord à Agen, ensuite je viens pour le prince. Avec mission, d'accepter mission. Effectivement, on dit que Rigaud est en prison, tout est en prison. Ouais, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais Rigaud lui-même, Rigaud est en prison. Donc, il va venir ici avec une mission. Ouais, donc c'est ça le thé. Mais si on sait plus grand disciple, Rigaud. D'ailleurs, nous, ça là, Gaspard Théodore Moyen dit lui, nous avons même vision politique avec Apigo. Ouais. Et on dit que ça va te montrer au dévoué à la France. Malgré que vous avez un problème, il y a des colons, colons français, c'est le même, mais vous avez montré dévoué à la France et favorable à la caste, favorable à la caste militaire. Et Moyen dit que politique avec ambition, c'est séparé de la France, mais on dit que vous avez des inclinaisons qui attachent monsieur invariablement à la France. Et 350 godin yo next sa yo yo fait code rural boye fait code rural ben quelque code rural li a dans dispose code dispose de crayon nous a appliqué idée rigo net côté monsieur mettez paysan en monde travail tel en monde OK pour la vie pour gagner visa ensuite il va paysan Baptistan Baptiste paysan oui et puis mon ville Baptiste mon ville ensuite il fait petite ville je veux c'est bastion mon grâce supérieur donc parce que toute nos rue je veux c'est dans le nat excepté tous les battus qui sont quand même un allié pour eux qui non dans le champion et on parce que les gars mettent non pas d'abord n'est pas pour avec Grégoire non sur la visa et tout donc allié et tout ouais donc c'est là nous arrivons dans le moment où nous arrivons après là n'a pas c'est quoi n'a pas Pierre Lubin côté monsieur justice docteur justice pour lui mettre en phase sur analyse psychologique et comportement du droit historique ça. Ok. Merci en pile, Roso. Moi, apprécier ça. Et depuis un dérapement, faut que moi dis nous, moi content avec nous encore aujourd'hui. Et depuis que moi avec Haïti Éducation, c'est toujours en pile l'amour. Et moi senti c'est un coup son petit monde, excusez-moi, vidéo a été fermée. Donc depuis que moi avec nous, moi senti c'est un petit monde et j'ai dit en anglais qui c'est in candy land. Donc si nous ouais que moi préparé pour me faire s'opérer avec donc pas saisi, c'est parce que moi content. Mais avant que moi dérape, moi t'a remis saisi opportunité ça pour moi réellement voyer quelques salutations avec remerciement spécial pour une série de monde que moi ouais et pas ouais tout le monde mais pour ça que moi ka ouais devant écran là pour me remercier yo en pile pour tout l'amour yo et pour tout ça que yo partager avec moi et moi reconnaître que moi même si me ka là c'est parce que derrière mon gain mon et c'est yo qui depuis me petit 4-4 a élevé dans la cour Brooklyn New York depuis à l'âge de 7 ans c'est yo même qui assumer responsabilité yo et qui pour élever na jan tradition africaine na dit c'est un village qui élevé yon chovi. Donc moi ouais là par exemple moi ouais espace créole et moi connais que c'est un gros potorique garçon qui est les Menes de joie avec yon reine qui est les Marie Lili Serra qui derrière organisation ça qui a fait une série de travail solide. Moi ouais moun bibliothécaire tant coup Jean refusé là moi voulais dire merci en pile pour tout ça que les gens partager avec et qui ajouter sous moi. Moi ouais moun tant coup Guy Bozil qui
toujours là qui a encouragé moi et qui a bon l'amour et n'a fait échange ça et moi qui a senti synergie. Docteur Saint-Gosse qui c'est moi-même forme d'où ça c'est number one, bien que moi grand pile zami moi qui c'est médecin, mais Docteur Saint-Gosse, you are my number one doctor and I am your number one fan. Donc moi voulais remercier, on l'autre grand historien que moi connais qui avait nous là moi well, c'est Alain Louis Hall qui montrait en pile leçon et moi puiser en pile de travail li et qui ajoutait sous valeur. Merci Alain Louis Hall. Et semaine passée Haïti éducation avec sagesse li et avec mission pour li éduquer, rééduquer, il était invité Maître Franly Julien qui t'a partagé avec nous des leçons très importantes. Moi ouais Maître Franly Julien là. Donc moi remercier, salutations, chapeau bas. Et donc avec tout l'autre monde, moi ouais on dame, on reine qui en pile qui contribue en pile dans ça que moi hier jodi a parce que là nous qu'on organiser, c'est monde qui toujours a assuré que moi en ordre, c'est monde tankou Vertuli Vincent. Merci reine Vertuli Vincent pour tout ça ou contribuer à fait que moi hier jodi a. Donc sans que moi en général, moi remercier tout le monde et moi excusez-moi si que moi pas gagné yon chance et gagné un monde que moi pas saluer, c'est pas faute moi. Donc kounya là, m'gal essayer partager écran nan pour que moi ka commencer présentation qui a très bref parce que moi-même avec docteur Ozo, nous ta réellement remet rentrer dans interaction. Donc rapidement témoin commencer et OK témoin ouais m'a té m'arranger le viewer reading view OK donc c'est que cette présentation comme docteur Ozo té partagé avec nous c'est pour qui ça l'union fait la force pour qu'on ca atterri en Haïti. Donc moi responsable pour deuxième partie là et pour que moi ca porter petit contribution pam nan à toute humilité m'a prend une perspective psychoanalytique et m'a poser question d'une manière qui plus opérationnelle ouais. M'a demandé ça fait li difficile pour haïtien mettre tête ensemble pour yo accomplir gros bagay a gain grand bataille tant que bataille crête à pied et bataille vertière ça fait ça et bagay ça li réellement vle di en pile pour moi parce que les moi petit 4-4 à l'âge 7 ans m'a élevé dans Crown Heights Brooklyn m'a gardé l'autre groupe moun notamment juifs yo gens que yo met tête ensemble yo organisé pour yo faire grand bagaille moi même a regarder dominicain yo ouais qui c'est voisin nous en Haïti gens que yo vini dans Brooklyn yo met tête yo ensemble et yo contrôler ça que yo relé bodega yo côté ti dépanneur y a vendre toute bagaille mais moi ouais que depuis petit moun ça li frustré moi li bon problème que m'pa jamais wè que haïtien a meté tête yo ensemble ouais li difficile gagné des exceptions des cas exceptionnels mais en général en grosso modo pour yo ta meté tête yo ensemble pour y a fait des grands bagay et gagné grand bataille et surtout leur considérer qui est-ce que nous y est nous son peuple par vertu de histoire nous grand pile moun qui remet nous et mais c'est comme ça tout grand pile monde qui pas remet nous pour ça que nous représenter. Donc nous gagner toute raison pour nous ta maconner et pour nous pas jamais éparpiller pour nous rester maconner pour nous faire l'union faire la force même pour protéger intégrité nous pour nous rester vivant. Ouais.
Donc, c'est ça que fait présentation ça a livré dit en pile pour moi. Et moi, je suis content que je partage le panel ça avec Cavalier Paul Camouin, Dr. Roselot François, et qui mette l'histoire là, li correct. Et moi-même, kounye, moi pral pran yon approche psychoanalytique pour moi, ça fait ça. En avance. Là, premièrement, on fait contexte là. Contexte là, n'a parlé de noir dans Hispaniola à Saint-Domingue de 1517 à 1791. Et moi puisé de travail Arseno à cause 2006. Côté que premier groupe noir que et qui a privé Hispaniola côté Panyolio pral converti yo en esclave et li très important les que n'a parlé pour nous parler très correct que pas bien africain esclave qui vit en Haïti mais c'est un processus yo passé africain pour yo vinn faire esclave et ou connaît que ou gon bon esclave nan mon les que ou ka enlever chaîne yo nan pied nan main et ou lagué individua sous plantation et on connaît que le pap couri, li pa pral prend kachapikal pou le piko pendant ou abdormi. Là ou connaît que ou gon esclave. Donc commencé en 1617, c'est là ça que ou panyol yo espagnol yo de l'Espagne yo pral importer 15,000 noirs nan colonia à l'époque qui était Hispaniola pour yo fè yo tourner esclave. En 1681, te gagné 2000 esclaves dans la colonie Saint-Domingue là. Laisse ça qu'on y a français yo remplacé et panyol yo qui te gon système économique nda que yo établi, français yo remplacé par le colbertisme. Yo même en 1681, yo gagné 2000 esclaves. En 1701, te gagné 10 000 esclaves dans la colonie Saint-Domingue, qui n'est pas espagnol encore, mais qui changeait maître. En 1687, dans le traité de Ryswick, ils ont officialisé. Côté que la colonie partie l'Est, là, dans l'île, c'est pour Français. Gangster français qui prend la colonie dans le gangster espagnol. En 1720, colons français ont commencé à importer 8,000 noirs chaque année pour yo convertir yo, pour yo passer yo dans machine dans processus qui pouvait faire yo esclave. De 1764 à 1771, colons yo importé de 10,000 à 15,000 noirs chaque année. En 1786, colons yo importé 26 commencé bah là bon, vous comprenez, Haïti colonie très lucratif, comprenez, côté selon CLA James, plus que 67% de tout revenu extérieur à France a sorti directement des colonies. Ha, y a besoin plus main-d'œuvre. En 1787, colons y ont importé 40,000 noirs dans colonie. Et dans l'année 1787, te gen à peu près 450,000 noirs dans la colonie Saint-Domingue. En avance. L'important que pour nous noter que, oui, dans la colonie Saint-Domingue, tout noir c'est noir, mais tout noir pas de même statut dans la colonie Saint-Domingue. Nous avons esclaves de champ. Côté Wallio, c'est couper canne, ramasser coton, planter tabac, ramasser tabac, nous te gen esclave maison, ou bien esclave domestique qui a travaillé dans caille, qui caille au cocher, tant que tout Saint l'ouverture. Nous te gen esclave commandeur, tant que commandeur, tant que on dit yon tout Saint l'ouverture. Et gen historien qui dit que Christophe te fait yon temps comme yon commandeur tout,
te gen esclave bossal, ça c'est esclave qui a sorti en Afrique yo, et plus que yo poko baptisé yo d'après injonction le code noir. Donc yo considéré yo bossal, yo poko chrétien, gen esclave créole qui fait nan colonie, ouais, qui pa fait yo qui fait nan colonie Saint-Domingue, yo considéré yo esclave créole, te gen mulat, même que mot ça son mot péjoratif, moi pa renne utiliser. Et si nous regardons étymologie moi, nous wè li ap sorti de mulet, côté que les que par exemple yon bourrik avec un cheval fait petit là vini en mulet, et mulet ça li pa ka reproduit. Donc mulat là son mot péjoratif, comprendre, mais pour compréhension nous utiliser te gen mulat qui c'est yon souvent c'est yon blanc qui violé yon femme noire qui pral bay yon mulat, et gen moun qui même ta vle fait konnen que te gen femme esclave ou bien femme noire qui en amour mulat, donc ou pa ka considérer ça comme viol. Oui, c'est viol lié parce que garçon blanc qui dans relation il te gain autorité sous femme là, donc il te ca toujours coercer femme là pour femme là accepter. C'est ça type de viol, ça y aurait le quid pro quo. Te gain affranchi qui noir, ça veut dire on série de noir qui pat dans esclavage dans colonie, te gain même noir qui te met esclave tout. Tant que nous connaissons à un point, par exemple, Toussaint te gen esclave, li te gen propre plantation. Et te gen série de noirs qui, depuis bateau, li accroché, qui prend mon napouyo, qui pas jamais esclave, qui marron, et gen noir qui te dans plantation, qui sauvé, qui al joigne yo. Tant que on moun, tant que Dessalines, qui te yon esclave de champ, mais éventuellement qui te vin yon neg marron. Donc ça que moi ta remet que nous retenu, c'est que tout noir c'est noir, mais tout noir nan colonie Saint-Domingue nan pas gagnent même statut. Ça très important, ça très important, surtout les nous considérer comment personnalité moun formé. C'est que personnalité li clair ou pas fait avec, c'est une série de conditions sociales qui pral bay personnalité naissance. Et nous devons noter tout que personnalité, surtout les outils moun, li pas statique et li nan état de développement. Mais plus wap grand moun, living relativement stable et prédictable, ça c'est personnalité. Et li très important. Now, nous pral gade yon cadre théorique, c'est yon cadre théorique psychoanalytique proposé par Sigmund Freud, qui c'est père psychoanalyse. Now, selon Freud, gagne 5 conditions majeures qui façonnent personnalité moun. 1, c'est maturité, c'est que normalement yon ti bébé qui poko kon parler avec marcher, l'elvin kon parler à cause de maturité, li vin apprendre marcher à parler, personnalité a façonné. Frustration externe, c'est yon l'autre bagaille qui vraiment forme personnalité. Et notamment, n'a parlé dans psychologie, il y a une distinction entre privation et déprivation. Privation, c'est les bon bagaille qui dans environnement, mais on pas ka gen accès à vel. Ou vle gen accès à vel, mais on pas ka gen accès à vel, donc li engendre frustration. On dit esclave là la planté jou mou la kayi jou mou, mais
Joumoua la, li pa ka manje joumoua. Li pa ka fè soupa joumoua. Donc ça c'est privation. Mais si par exemple joumoua li pa existe nan plantation et li anvi manje, ça c'est déprivation. Conflit éterne. Ouais. On dit que imaginez yon esclave qui anti esclavagiste, li pa reme ça, mais yo forcé, yo mette le nom position côté que li son commandeur et l'absimé koko makak sous l'autre noir pareil. Donc ça engendre dans psychologie ça y aurait dissonance cognitif côté que valeur ça remet pas compatible, pas matché avec comportement. Donc ça engendrer conflit interne et ça sont l'autre aspect qui façonnait personnalité à tout. Insuffisance personnelle sont l'autre élément qui façonnait personnalité à. On dit si que yon esclave ou bien yon individu pas qu'on lit et gonseye des bagailles comprendre que le tarémé gen accès à yo mais le pas connaît. Donc ça engendrer normalement frustration et finalement ou gen sacré les anxiété avec la pérèse qui façonnait personnalité à tout. On dit par exemple gon série des esclaves qui était dans plantation Saint-Domingue qui a demandé ah si nous vinn libre kounye a qui ça que nous pral faire. Ouwen, les nous pa gen moun ki pou di nou ki lè pou nou leve, ki lè pou nou al nan chan, etc. Ki sa pou nou al fè? Donc, sa tout li engendre anxiété avec ambivalence, parce que lò pa konnen sa demain a pote, li engendre anxiété. Donc, ça c'est 5 facteurs sa yo selon Freud, père psychanalyse, qui offre nous 5 bagages sa yo qui façonné en personnalité. Na les humains à cause de conditions, à cause de frustration, à cause de conflits internes, anxiété. Hein? Page de présentation. Oh, désolé. Pas changer. Oui, moi changer li. OK. Nous pas page présentation pas changer. Délivrer l'esprit pas seulement. Allez, délivrer mon esprit pas grave. Oh, désolé. On m'ont te dit ça. Excusez-moi. Moi fait apprendre que pendant toute parler m'a parlé ça bien que moi prépare une série de belles PowerPoint pour nous, mais moi apprendre que page là pas jamais bouger que il était sous première page là. Donc m'a font rapide parce que moi crois que li important pour me ta partager page avec nous. Mais est-ce que OK. I can't believe ça arrivé moi. OK. Désolé. OK. Ça c'était page première page là. Est-ce que kounya l'a changé selon ça que nous ka wè? Ah, est-ce que page changé kounya ou zo? Moi partager li? Non, nous pas cher. Oui, bien sûr. Oh. Share screen. Share. OK, est-ce voilà. Que ça c'était première yon perspective? Ça okay. C'est différent noir qui te gagne dans Hispaniola à Saint-Domingue de 1517 à 1791. Désolé, et ça c'est pour me montrer que tout noir c'est noir, mais tout noir pas de même statut dans colonie Saint-Domingue et personnalité humaine, mais c'est pas un bagage qui statique surtout le petit monde, mais plus ou grand monde, il commence à plus stable et plus prédictable. Et mais selon Sigmund Freud,
gen 5 conditions majeures qui façonnent personnalité yon moun, c'est notamment maturité, frustration, conflit interne, insuffisance personnelle, anxiété avec la pérèse. Et c'est là que nous arrivons. Côté les humains, les frustrés, les gen conflit interne, anxiété, la pérèse, gen 4 façons que li essayer résoudre ça. Notamment, li utiliser sacré les mécanismes de défense, sublimation, transformer interne à fusion, à corrompu et identification. À compromis, désolé. Donc, nous pas pour ça que nous venons régler aujourd'hui, 3 premiers, mécanismes de défense, sublimation, transformer interne, à fusion, compromis. Transformer instinct en fusion à compromis. Pour ça, nous venons régler aujourd'hui, yo pas relevant, yo pas important, mais nous pral concentrer sur identification. Identification li clé et li pral aider nous comprendre différentes personnalités haïtiennes en résultat de ça que t'a passé condition yo dans plantation basé sur statut yo réalité yo et en plus li pral aider nous comprendre comment que personnalité vin déboucher en philosophie et philosophie pral ba nous idéologie et c'est l'opre philosophie à idéologie personnalité li vin bon sacré les praxis ça veut dire yon série de pratiques qui pa vay ke vay bien que ou pa ka ou ka pa konnen sak fò a pa ji konsa mais gen idéologie à philosophie qui derrière donc on avance on garde ça ensemble OK identification selon Freud identification c'est les yon moun incorporer qualité yon l'autre moun li pas obligé yon l'autre moun li gen droit même yon animal ou bien yon objet nan propre personnalité par exemple ou gen droit yon moun li dou li se yon I'm a tiger man donc ou elle a fait par exemple toute qualité de opération moun kon wè moun kon ça et soit aller sur YouTube ou bien Google ou taper Tiger Man ou après gen moun qui arrive foncer des chirurgie très élaboré côté que pour yo transformer tête yo pour yo vin sembler par exemple yon tig tant que moi te taper Google et moi gon individu Michel li même fan bouche li et range oreille li pour vin sembler yon tig donc pour me répéter c'est que identification selon Freud c'est les yon moun incorporé qualité yon l'autre moun ou bien yon animal ou yon objet nan propre personnalité et Freud identifié 4 types de identification premier type d'identification que Freud identifié c'est ça que li rele narcissis Léon moun son narcissisme que lié li gon l'amour exagéré pour tête li donc par conséquent moun sa li gon tendance c'est moun qui gagne même caractéristique sa yo li fréquenté et Freud pour élaborer sur ça li même ba yon exemple tant kou ou gen droit wè par exemple gon série de frères on dit par exemple qui al nan gym et lè al nan gym y al fè ponyèt yo si tellement en amour avec tête yo et frère ça c'est seul l'autre moun par exemple qui gen même ça que li possédé que li ka tombé en amour avec donc ou gen pou wè souvent en pile frère qui réellement concentré nan gym qui toujours a fè ponyèt en pile là-dedans yo c'est homosexuel parce que ça que yo gagné yo si tellement en amour avec tête yo
c'est l'autre monde qui gagne même bagaille là que yo en amour avec. Ça c'est première. Ou gagne identification avec yon objet perdu. Identification avec yon objet perdu, c'est par exemple les que yon individus pour yon raison yon lot yon bagay que li bay valeur disparaît ou bien nan ville sans que le pa comprenne sa qui passé ou bien qui disparaît ou bien abandonné. Pren par exemple yon ti moun ki te ka genye maman, on ti moun à l'âge de 4 ans 5 ans pour yon raison maman disparaît nan ville sans maman pa di bye bye ou bien maman abandonné. An di ti garçon ça a pas saisi si demain ou est que li rentre dans ça que les cross dressing côté que l'a habillé tant kou femme bien que li gen droit homosexuel ou bien pas homosexuel mais li habillé tant kou femme parce que les que li habillé tant kou femme dans c'est tant kou objet perdu ça l'a essayé retrouver. Donc c'est ça que Freud relait identification avec yon objet perdu. Identification ak yon bourreau. Souvent les moun trouvé tête yon non situation que gagné yon bourreau, yon transgresseur, yon colon qui a agressé, qui a simé koko makaksi, qui a mette zouti nan men, qui yo pas habitué, y a bat yo. Humé ça souvent yo konn vin identifié avec bourreau parce que yo peur punition donc yo marché en ligne yo conformé yo pour yo pas prendre macaque. Quatrième forme identification c'est orienté envers yon but, c'est que toute société c'est que yo selon sociologue Robert Merton li dit que toute société créé des buts pour citoyens yo et yo défini qui ça qui succès qui ça qui réussite sociale. Donc identification orientée vers un but c'est là que ou identifier que OK tel monde ou bien tel groupe c'est yo qui réussit dans société a donc m'a imiter yo parce que si m'imiter yo m'a fait succès tout m'a réussi. Donc kounye a an gade application sa yo mais n'a utilisé les quatre grands héros indépendance yo pour nous wè comment nous ka appliquer théorie identification de Sigmund Freud là. Et pour nous faire ça n'a gardé condition avec statut que héros ça yo te gagné dans colonie Saint-Domingue là. N'a gardé personnalité yo selon cadre moi saute partager avec nous identification et n'a gardé comment ça pral vinn déboucher dans philosophie yo comment que yo wè l'autre haïtien avec l'autre monde et éventuellement idéologie yo et avec praxis yo, ça veut dire action qui guidée par idéologie. Now, on prend Pétion. Pétion lui-même dans colonie Saint-Domingue, c'était un mulat, c'est un colon qui en cette moment et il s'est résultat union ça. Donc colon lui-même li c'était un affranchi, il était libre dans colonie hein. Ouais. Et donc nous ka di colon le fait que colon hein, blanc français a grand ça que yo t'appelé les grand blanc parce que t'es gen différentes qualités de blanc tout dans colonie hein. T'es gen grand blanc, petit blanc avec engagé. Mais grand blanc dans colonie c'est lui qui te gagne pouvoir, lui te gagne même pouvoir la mort, la vie ou la mort. Donc Pétion comme yon mulat affranchi, si nous voulons comprendre personnalité, il était obligé identifier tout noir
invariablement presque et seulement nous pral wè nan marron yo yo te obligé plus ou moins toujours gen exception mais à yon grand degré identifié avec bourroa et yo pétion tout li orienté li approprié pour nous dire que li te identifié identification li orienté envers yon but ça veut dire l'el garder l'el penser de ça qui ont qui succès c'est blanc français qui ka parler français qui gen peau clair ou on prend qui eurocentrique ouais. Et d'autant plus, le fait que Pétion, lui-même, papal, c'était un blanc, et c'est papal qui a pouvoir, mais pendant ce temps, il n'a pas jamais accès avec papa, et surtout, Jean histoire rapporté nous, papa, Pétion, pas de fin trop en amour avec, parce que Pétion, te gen trop caractéristique africain, il n'a pas trop blanc. En disant pour seul là. Donc, Pétion, inconsciemment, li toujours ap chercher papal. Et c'est ça que fait ou pral wè, Pétion, selon François Brière, c'est premier moun qui pral proposer que Haïti paye la France pour indépendance li. Oui, selon François Brière, et c'est docteur Roseau qui potait ça. Attention moins. Ouais, c'est Pétion qui pral faire et après ça protéger qui s'est boyé pral matérialiser. Donc et philosophe et ça vient déboucher yon philosophie. Là que idéal Pétion, prototype li, sa référence li, c'est que c'est colon, c'est blanc français, li vin quand il s'agit de philosophie de moun de l'autre haïtien dans contexte sendo maintenant c'est que l'ité ouais gen moun qui supérieur l'autre moun l'ité ouais que blanc français a supérieur noir là ça c'était philosophie so c'est un coup gon nostalgie oh maman n'était ka en blanc mais wal gâté sans moi ah mais ou bien c'est papa si m pa gagne entre guillemets sans noir nan moi m tapion blanc donc Pétion t'est toujours à la recherche ça donc c'est ça que fait ou pral wè c'est premier moun li pral ouvri yon lycée en Haïti pour éduquer mais qui est li pral prend c'est blanc français qui pou vinn faire l'école ouais donc monsieur ça vinn bon yon idéologie que moi-même moi relé assimilationniste côté que li vle fè yon seul avec oppresseur avec colon qui gen yon philosophie platonicien philosophie platonicien c'est yon philosophie qui dit que gen moun ki supérieur gen moun ki inférieur donc ça qui gouverner qui supérieur à lui gouverner par raison donc c'est lui qui doit abdominer qui a gouverner qui a gérer ça qui inférieur qui dominer qui gouverner par émotion qui vinn bon yo praxis qui praxis Pétion blanc ak milat doit abdominer noir parce que yo supérieur noir Alexandre Pétion nous sommes psychanalysés, on garde Christophe Kounia. Christophe, nous sommes comme un isolationniste. Qui est-ce qui est Christophe? On garde la colonie Saint-Domingue, son esclave maison, yon es, ou bien nous disons esclave domestique, et à un point, il vient yon affranchi, côté que li libre. Donc, en termes de personnalité, oui, li identifié avec Bouroa fait sa Bouroa parce que à un grand degré Bouroa c'est lui qui a puni etc dans plantation et li identifié le tout avec envers un but tant coup
li wè se kolon ki reyusi, ki gen suksè nan kolonia, donc li ta remè, menm jan li ta remè, fè menm bagay la. Donc c'est ça qui fait que ou pral wè, sa pral et sa vin debouché a yon philosophie que menm jan avec Pétion, gen moun ki supèye lòt moun, ki son tout yon philosophie platonicien, et Jean que mes différences entre Christophe et Pétion, c'est que Christophe lui-même lui dit ah nous qu'a fait même bagaille colon a fait moi ils sont monarchistes donc c'est ça que fait au bal ouais la mettre perruque blanc et li établi nan nord là yon système féodal les la marché c'est toujours gant blanc et li dit moi ka fait même gens avec blanc ka établi royaume moi ka un monarque mais mwen, pour me faire ça faut que moi fait semblant 100000 lat là donc monsieur idéologiquement praxis li c'est un isolationniste en passé à Toussaint qui moi-même à docteur Ozo nous voit que praxis li c'est un négociationniste ça ne veut pas dire par là Toussaint c'était un esclave maison un esclave domestique à cause de j'étais bourré avec talent dit un esclave pas un esclave ordinaire mais un esclave extraordinaire et conseil des moun oiseau plume oiseau ça yo si tellement brillant li difficile pour mettre au nom cage ouais donc tout ça c'est ça que l'itayé donc éventuellement l'elle était un esclave il était gain liberté de savane éventuellement li pral vin même yon maître esclave li pral gain plantation avec esclave li tout en terme de personnalité Toussaint te identifié avec yon bourreau parce que moun ki gen pouvoir ki ka punil et récompenser et li souffri de identification orientée envers yon but tout donc ouais Toussaint li fait tout ça li capable pour le vin yon européen comprendre c'est catholique li et tant que Christophe avec Pétion nèg sa yo te complètement anti vodou ou pral wè tout Christophe lè li établi yon système gen moun ki pral rele le système éducation même avec docteur Rezo nou rele le système mal éducation tout li même li pral fè c'est anglais yo ki vin établi yon système mal éducation ki rele le système lancastrien donc si Christophe pat mouris donc c'est li qui t'est resté Haïti c'est un pays anglophone ouais donc Toussaint retourner sous Toussaint hein philosophie yeah. Philosophie Toussaint c'est que tout monde c'est monde mais tout monde pas même Toussaint li te reconnaître mon cher oui moi c'est haïtien mais moi pas tant que tout haïtien yo moi son haïtien spécial moi tant kou blanc ou bon donc Napoléon moi son général bon gouverner colonie pour la France et c'est ça que faire ou pral wè Toussaint c'est un individu qui était toujours à faire une série de deals des portes avec colon ouais côté que et grand pile haïtien jodi a ou pral wè dans Jean que docteur Ozo t'a dit a yo grand discours de saline mais de salinier mais en réalité reprendre praxis yo ouais c'est l'ouverture côté que moi c'est un haïtien mais moi pas tant que l'autre yo moi son haïtien français que moi yé comprendre bon gérer colonie pour nous pour la France bon gérer colonie bon gérer Haïti pour blanc américain donc yo toujours à faire deal parce que yo pensait que yo c'est des haïtiens mais yo pas haïtien tant que tout la haïtien yo c'est des haïtiens extraordinaires introduit tout ça kounya an gade finalement papa de saline
li même qui était anti-esclavagiste, qui sont pragmatistes réalistes. Li vin selon travail docteur Roselot, gagner contention est-ce qu'elle était faite dans plantation Saint-Domingue ou bien en Afrique, mais docteur Roselot fait nous connaître que d'après évidence sous primaire côté que papa Dessalines te gen mac tribal dans figil, nous connaît que papa Dessalines saute en Afrique, yo menel en Haïti comme yon esclave bossal qui potko yo potko baptiser li potko chrétien. Donc li son esclave des champs qui apprend pile koko macaque qui a travaille dans champ, éventuellement il pral sauver Elvin yon neg mawon. Li pral jouer avec moun tant kou grand toya grand guiton mawon qui pral faire l'école li qui sous tavle tout ça yo te fait dans plantation qui pral défait li qui pral décoloniser. Donc papa Dessalines a un certain degré li gen très narcissiste, mais pas un narcissiste exagéré, un narcissiste dans sens parce que li important que pour à un certain degré tout moun gon ti très narcissiste la kayo côté que ou remet tête tout lo gade nan miroir ou remet so wè lo wè moun ki semblait avoir ou remet so wè ya wè. Donc papa Dessalines te ça et c'est ça qui fait l'idée philosophile contrairement à toutes l'autre quatre grands héros, les quatre grands, c'est que philosophile c'est tout moun c'est moun, donc tout moun te né pour yo vivre libre 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 et qui pral vinn bal yon idéologie pragmatiste réaliste parce que le te konnen modus operandi colon très bien. C'est que de pour camper lié Haïti ou bien colonie Saint-Domingue nan gonseye de bagay que le besoin elle pas vle payer pour yo, et donc n'importe moun ki camper nan route li la fann yo. Contrairement avec tout ça, papa Dessalines pat nan illusion ça, li te konnen très bien que modus operandi colon li identifié intérêt très clair, il dit hey tel côté gagnel colonie gagnel et n'importe moun qui campé dans route moi m'a fann foire même gens on dit que le te fait avec Taino Arawakio qui pas de vin exister. Donc c'est ça qui fait que africain était obligé vin remplacer remplacer Taino Arawakio. Donc praxis papa Dessalines c'était liberté ou la mort. Et nous pas doué, elle était très adamant et gain pile évidence de ça, peut-être les nous rentrer dans question Roselot à partager avec nous, nous pas doué imiter oppresseur, nous doué flanquer oppresseur d'ailleurs et en mettre grand monde sous nous pour nous protéger liberté nous à richesse nous. Donc pragmatiste réaliste que elle était. Di bonjour colon, l'ap manjo, pas di bonjour colon, l'ap manjo, an met grand moun sou nou. Mais ça pa vle di, an tout retire mit que papa Dessalines pat vle wè blanc. Non sens. Sou gade deux moun ki te kore bras droit, bras gauche, papa Dessalines, c'était 2000 ans. Gaba avec Bois-Antonner et pa Dessalines polonais yo. Qui pat qui t'est changé quand qui pat vinn nan esclavagiste li kite yo en Haïti ouais et papa Dessalines li té nan échange avec blanc américain qui pat esclavagiste et histoire très claire là-dessus. Donc pour nous fini on dit pour l'union fait la force matérialiser parmi nous et que nous besoin et si nous pas faire éventuellement diviser il y a fait une soustraction et même gens avec Taino Arawakio nous a disparaître tout parce que problème qui est essentiel nous à nos jours nous gagne une série de bagailles que l'autre monde veut yo et yo pas veut payer pour yo et si pour yo disparaître nous y a disparaître nous. Donc nous pas le choix, faut que nous fassions l'union ça. Et pour ça possible,
moi remettre nous à toute humilité, faut que nous mettez Pétion dodo, mettez Christophe dodo, mettez Toussaint dodo et en réveiller papa de Saline qui la caille nous chaque graine haïtienne. Donc dans sens ça map et pour nous faire ça la important pour que nous utiliser sacré les agents socialisation nous yo notamment l'école institut l'église médias gouvernement ouais pour nous resocialiser haïtien pour surtout chovio timounio pour nous faire yo connaître philosophie platonicien qui dit que hey, gen moun ki dwe ap domine lot moun et pas tout moun ki te né pou yo viv libre. Nou dwe fè ti haïtien depi le ti 4-4 konnen ke filozofi platonisyen son filozofi poison ke liye. Nou dwe fè yo konnen ke tankou papa Dessalines yo dwe pragmatis realis ke nou pa dwe nan rentre deye do pep nou kont aspiration yo n'ap fè deal avec colon. Non. Bagay sa yo pa bon. Nou pa dwe vle assimiler avec des oppresseurs. Au contraire, an partage l'amour nou, humanité nou, je papa de Saline te faire pour libérer même oppresseurs. Parce que nan sens pa le frère, le que pour yon oppresseur arrive oppressé, faut li même d'abord li ka déhumaniser tête li. Li ka démoniser tête. Donc dans sens ça là t'aime rester parce que nous connaît que nous avons pile question pour nous pour moi-même avec docteur Ozo. Merci beaucoup et for c'est malheureux que moun qui pas ni devant ni derrière mais bois banane qui corrim nan l'aime à remercier moi toujours oublier c'est madame moi Manzé Elida Doblas. Femme voyant ça, li pa ni devant ni derrière, mais li toujours à côté pour le bon force. Moi stoppé là, moi dis nous merci beaucoup. Merci docteur Lubin et merci pour présentation. Hein? Et comme pas de gain on pose nous pas de parler, nous tout dit docteur François, merci tout. Et vu temps, nous pas prend aucune pause, n'a rentrer directement dans l'interaction dans question yo. Pas qu'on est si nous-mêmes nous souhaiter et m'attendre Bozil non et non ou pas attendre dans le cognac très bien et nous dit que vu l'heure là n'a pas rentré directement dans question yo m'pas qu'on est-ce que nous-mêmes nous parer est-ce que nous voulez nous parer mettre caméra nous on pour nous car un échange dans petit crasse vivant parce que nous tous les deux cachés. Oh, ok. Big Bo, nous t'es obligé cacher parce que nous senti qu'on y a nous blasé. nous pas frais même j'avoue. Non. Ou toujours frais, ou toujours frais. Au contraire, ou l'humain qu'on y a après présentation, ou l'humain. En tout cas, nous deux à nous l'humain. Première question et n'apprendre la de direct. Et première question, participant adressé à docteur Roselor François. Li di li que l'en râler le fait a li souligner à plusieurs reprises une dimension mystique tout bien dans certains choix. Li di journée jodi a qui ça Haïti besoin? Est-ce que faut le renouer ak et mysticisme? Est-ce que et qui dans l'histoire en pile ou bien est-ce que le besoin bon genre structure à monde qui compétent, équilibre? Ou bien le besoin tout l'aider. En fait côté mysticisme là il a subjectivité non. Mais pour ce symbole là efficace pour le puissant, c'est surtout la relation monde cap côté symbole là. Ça veut dire que leader. Donc c'est histoire ça, nous besoin des leaders comme qui vivent genre justice là, praxis là. Avec le praxis, ça veut dire que action il m'a connu avec l'idéologie. C'est lui, pour lui, il y a un exemple
pas nation. OK? Mais là pour libérer la mort, oui, c'est ça le libérer la mort. Mais ça me dit quoi que des amis c'est mettre en pile phase sous l'union et la tout. Parce que David Nicole dit et Majou et c'était Majou. Il fait tout ça que c'est possible pour te éliminer division en mi-temps noir accumulation. Lui même sixième pour ça pour division ça. Donc c'était vrai que Milata avec noir il entend le fond seul. Ouais. Donc mais devise là c'était liberté au moment parce que liberté c'est même qui était fondamental là. D'ailleurs on dit ça que le gouvernement monsieur là c'est liberté qui était aussi le tout bagaille. Ouais. Maintenant on passe que je veux dire c'est pas côté missis ça me garder. C'est vrai il dit dans la société nous il y a réalité non toujours comme si nous rien là dans nous mêmes mais c'est surtout modèle des alignements pour nous adopter pour nous valoriser lui pour nous mettre en pratique pour nous vivre lui et pour peuple là pour masse peuple là il veut confiance dans nous mêmes parce que je dis nous avons Haïti problème de modèle c'est qu'on a bon gens ici nous avons un problème de modèle dit oui le modèle est là c'est des salines et ça passe je dis malheureusement élite intellectuelle haïtienne, qui sont élite néocolonisée, élite ça, il n'y a pas de design comme modèle. D'ailleurs, c'est élite qui est ouverte sur Yann. Je suis là, je dois faire deal derrière le peuple là. Je dois jouer en bas de table. Ouais, il n'y a pas de design tout. Malheureusement, pour ça. Donc, je pense que M. Jolia, comment c'est que l'idée a sur Zaline, il m'a design comme ça à améliorer. Et Philippe Jure a dit que nous des Haïtiens méritaient, imagine ce mérité refait parce que Haïtien la France détruit, monsieur. C'est la map li, moi qui valait mal que ça va faire payer parce que yo début de Saline, il ne faut pas être menti, pas être bailleur, c'est ça, monsieur. On va comprendre ça. Donc c'est elle a dit, c'est modèle là. Merci, docteur François. Prochaine question, hein? Et on a décidé entre nous qui est-ce qu'a répondu parce que il faut question, il n'y a pas spécifié. Okay. Et débat sous couleur drapeau pour n'adopter pas jamais fini. Qui important si un débat dans GFOC qu'a fait jodi a pour tête ensemble. OK, on va dire ça. Maintenant, son bail et débat son bail sont en fait nous avons dit son faut débattre parce que c'est parce que nous je dis là courant qui domine, courant intellectuel qui domine dans la chaîne là, c'est courant toujours l'ouverture pétition. Next ça aussi deux gens ça qui puisse dominer la vie culturelle en Haïti. Parce que là, c'est des agents coloniaux. Haïti, son pays qui est néocolonisé. Okay? La France vient avec le projet Molien, la France néocolonise Haïti. Donc, il y a là, et la seule qui dominait, soit comme si vous étiez avec Pétion, tout ça. Donc, la vie intellectuelle, c'est quoi, après cette évier, il y a avec même projet Pétion. Vous voyez, je ne vais pas faire aucune réflexion, aucune bosse historique, aucun point de vue. Je viens avec Pétion, that's it. Parce que c'est l'ennemi dominé. Mais là, comment c'est que l'autre intellectuel, vous pouvez dire, n'est-ce pas, en diaspora, vous avez un Wolf Touyo, Gérard Magloire, vous avez un Anesti Brice, vous avez l'autre intellectuel, comme si on a dit, on ne peut penser désaligné, comme si qui est la réalité, et bien, on a discuté, et puis on a débat bien fait, et puis on a bien d'avoir. Parce que je dis, en pile dans le monde, ça, depuis que vous avez dit, c'est du valier. Et grand pile monde tout qui a poté à faire projet pour les drapeaux, tout qui pas vivre, même avec des salines. Donc, peuple là, pas quoi dans yo. Parce que yo dit, c'est des salines, mais l'aura des comportements, attitude, c'est pas un Haïti, oui. Parce que n'a pas pu faire deal, pour être comme si c'est agent colonial que yo. Donc, mes débats sont débats qui résoudent. Depuis que vous commencez. Histoire, comment c'est rebâtir l'histoire, refaire une vraie histoire, nous, n'a pas qu'il y a une guerre. Merci, docteur François. Et m'imagine une question, ça, c'est pour docteur Lubin. Historiquement, participant dit historiquement, Momi l'a placé un jour. Cependant, à partir de qui réalité sociale, Momi l'a placé vint un privilège? Vous l'avez fait, mais pour pas gagner écho. Ok. Moi, toujours tant de écho. Fais-moi mettre sous mute même. Ok. Je suis dans de écho toujours. Et les sous mute. Ok.
Est-ce qu'on t'entend très bien? Jusque là. C'est que songez dans l'histoire là, vers 1791, nous joignons côté que dans la colonie a gagné 450 000 noirs et à peu près 30 000 blancs. Donc, ratio de blanc à noir, il y a à peu près 1 à 10. Pour chaque grain blanc, il y a 10 noirs dans la colonie. Et un député français qui, bonheur, très tôt, l'y réalisé, député Banav, un député qui était dans le Parlement français, lui dit, ah, quelle que soit l'armée nous a gagné, nous pas qu'à contrôler tout noir ça yo. Nous pas qu'à contrôler yo. Seul j'en ap qu'à contrôler yo. Faut que nous jouer dans l'horloge yo. Faut que nous jouer dans l'horloge yo pour nous faut nous utiliser force morale. Dans le sens que li dit que faut que nous fait noir là esclave qui pas mulat là, noir qui pas mulat là, senti que li inférieur mulat là et faut que nous fait mulat là senti que li plus proche blanc mais li inférieur blanc. Donc sous garde stratification hein, ouais, ou après que dans colonie Saint-Domingue c'est blanc qui toujours à la tête. C'est lui qui est supérieur, après ça c'est mulat là, après ça c'est noir là. Donc mulat là, il reconnaît tout, même gens avec yon mulet. Par exemple, yon mulet pas qu'à reproduire. Yon mulet, et c'est ça qui fait nous connaître tout, que c'est pseudo-science, ouais, et c'est pseudo-intellectuel qui parlait de différentes races humaines. Parce que si que humain te gen différents races humaines, c'est pas une construction sociale. Les on dit entre guillemets yon blanc avec yon noir fait petit yon pas tap ka fait petit, li pas tap ka reproduit. Tant que par exemple, les yon bourrik avec yon cheval fait yon petit, li fait yon mulette et mulette la pas ka jam fait petit. Donc pour me répondre question en hein, manière plus succès, c'est parce que l'été établi à travers influence blanc, colon, domination, l'été fait noir connaît que milat la supérieure, elle te fait milat la connaît que li supérieur milat la. Donc milat la, li pa vle nan dernier, nan troisième classe la, nan dernier classe la, hey, l'accepte milat la. Y a m'a ajouté tout, allez rapide ça. Non, mais on t'en délouis. On seul okay. Lynch même ça mérite théorie Lynch classification Lynch là mot de ce mérite appliquer dans cette domaine d'ailleurs une littérature un grand article vient en anglais côté montre ça côté montre que mot de ce mérite de la classification et c'est même politique Lynch que monsieur appliqué monsieur fait des centaines de nuances épidémiques en la colonie et monsieur fait tableau ils font classification ils font hiérarchie des couleurs et la hiérarchie des couleurs on va venir la distribuer d'après ça c'est mérifère. Ouais donc c'est même pas William Jean je fais et c'est tout bas à côté déjà il te connaît qui voit que monsieur met article 14 à celle de la constitution comment qui sont article clé et après que intelligent américain va analyser chercher américain va analyser tout ça on civil fiche analyser ouais donc la constitution Aïcha va encore connait Aïcha parle de noir histoire mais non son bagage avec son bagage monsieur devait mettre résoudre le problème ça parce que c'est tellement problème ça crée problème psychologique dans le haïtien. Donc, vous avez dit que 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 vous yon sanguiné m'appli question en participant, est-ce que c'est pas même gens à colon yo pour nous traiter? Yes, en fait c'est parce que ça met en Haïti et courant qui dominant
que ce soit intellectuel, c'est courant compétition qui domine. Ouais. Mais attention. Moi, bon, imagine là, par exemple, sur forum, bon, on me publie image là, écoute, côté déchouqué, développer un staff initial. Par contre, c'est sur masse là. Moi, mon capteur et peuple là prendre un contacteur peuple là développer un staff initial. Mais imagine comment là. Ça veut dire ouais, aujourd'hui bon, en pays haïtien commencer, là j'ai haïtien commencer ouvrir. Et on pense que pour haïtien de démarrer prendre un procès. Et dans procès pour rendre justice à des salines. Faut guérir blessure ça. Et next ça yo, faut que payer. Bon prix pour payer pour ça. Ça vous fait parce que vous faites payer en pile temps, en pile malheur. Oui, faut que payer ça. Ouais, parce que moi-même, je ne sais pas parce que je dis ça encore, mais il y a un pile, boum, c'est surtout que je suis en sud qui est mauvais. Mais maintenant, nous avons un temps pour Gaba. Et même dans le sud, il y a un bon endroit, dans le sud, qui est bon. Mais son groupe de nègres, les Rigaudais qui est mauvais. Mais généralement, on peut garder Mulat comme si il était bon. Mais il faut reconnaître que sa pétition fait fin du tort. Donc, il faut que nous sortions dans la ligne pétition, dans la ligne idéologie de pétition. C'est la bonne chose maintenant pour nous rendre monsieur. Ça le méritait. Oui, c'est vrai, monsieur, il va payer un peu de temps, vraiment. Merci, docteur François. Et bon question, m'estime, qui est tellement intéressant, m'a appelé l'île direct. Et est-ce que Duvalier pas utiliser un troisième symbole qui c'est pentade, totem que Papa Dessalines a utilisé comme emblème? Si oui, est-ce que nous devons restaurer l'emblème pentade là, même Jean avec drapeau noir et rouge? À vos marques. En fait, moi pas gain parce que moi en drapeau de ça non mais c'est pas bah peut-être dans drapeau de ça. Ça moi là image moi là on va peut-être là. Donc bah on est peut-être que si après peut-être là est-ce que design de compétent. Beaucoup lit sur ça. Mais bah peut-être là parce que ça sont parce que sont est-ce que c'est pas ils ont inversion du valier parce que bah peut-être dans la samoa ça me comme d'abord. Très bien. Et moi-même moi pas opiner sur ça tout parce que moi pas qu'on fait recherche sur ça mais sont belles questions et il t'a bon que pour nous t'a prendre temps pour nous t'a passer dans bas microscope ouais dans bas microscope tout regardez ça mais pour moi pas voulez offrir une position parce que beaucoup j'aime faire recherche ça et docteur Ozonet tout que qu'on fait recherche ça mais n'a passé dans bas microscope peut-être prochaine fois n'a partagé résultat yo avant. Très bien. Gagné une autre question participant dit tout en langue française à toute salle représentée, rete comme langue officielle en Haïti, est-ce qu'il y a jamais gen bon Jean Union? C'est un monde qui salue nous. C'est un monde qui salue nous. C'est plus gros élément de cohésion sociale. Ça veut dire que le fait que l'on soit des grands groupes de monde qui valorise en langue, l'autre groupe qui va parler, donc ça crée vraiment une plus grosse division. Et je vois que, juste après, le grand américain, comme c'est la voix de l'Américain, qui dit qu'en Haïti, langue française, c'est plus gros outil de division qui est en Barry. Oui, c'est un observateur étranger, monsieur. Moi, l'observateur étranger, Barry. Je dis que langue française, c'est plus gros outil, plus gros division qui est en Haïtien. Et de vous faire de vous qui classe vous parce que vous comptez pour langue depuis près de presque nous parlons 400 ans là 400 ans langue ça a existé sous île là c'est ou bien à peu près c'est 5% monde qui parle bien qui comprennent bien car avec quelques personnes pas comprennent pas parle bien mes amis ça sont vos divisions liées comprendre donc et son langue puisque nous enseignons français avec une langue maternelle nous. Alors que son langue étrangère liée, il y a une méthode pour enseigner la langue étrangère. Il y a une didactique de la langue étrangère. D'accord, parce que ou à l'école, ou à apprendre, et ça y a l'anglais et langue seconde. Ou bien français, langue seconde. Il y a une méthode pour faire ça. Mais en Haïti, dans l'école, il y a un français avec la langue maternelle. Donc déjà, ça a son gros accroc à conscience de tout le monde, à cerveau de tout le monde, à cerveau de tout le monde. Et là, il y a une division déjà. Depuis que j'étais haïtien à l'école, il était divisé avec masse là parce que vous faites comprendre que langue parlée est inférieure par rapport à langue française.
Oui, c'est vrai, son des problèmes ça. Donc ça pour nous faire c'est prononcer le français comme une langue seconde, comme une langue étrangère. Par exemple, comprendre que c'est créole là qui parle maman langue tout pays net. Ouais, et si me t'a ajouté et Jacques docteur François noté c'est que français a dissous il a commencé depuis années 1620-1630 donc c'est plus que 400 ans que il présent mais et selon travail Michel Degraff nous connaît que c'est à peu près 95% haïtiens à nos jours qui parlent français qui parlent langue qui connaît langue donc et si que nous ca employer un terme que sociologue Scott and Myers utilisait un terme qui est les elite closure c'est que affaire français a li arrangé affaire élite yo en Haïti c'est elite closure c'est selon Scott and Myers sociologue Scott and Myers c'est une stratégie linguistique qui fait que ou joine yon ti minorité zuit ou bon qui c'est li arrangé situation yo li configurer pays à non façon côté que c'est yon ti minorité qui gen accès avec langue vraiment vrai et c'est même langue ça qui c'est langue de pouvoir qui bon accès à privilège etc. Donc li garantit que 95% l'autre haïtien yo yo nan périphérie yo en dehors des choses yo désaffranchisé donc li inhéramment problématique dans sens ça donc oui donc moi vle d'accord avec moun qui posait question c'est que langue française un li pa ta doué langue instruction en Haïti parce que comme moi-même moi joine dans travail que moi fais dans thèse doctorat moi li confirmer ça que UNESCO a dit depuis dans les années 1950 que moun apprend non langue que yo gen compétence là-dedans que yo connaît et souvent ça c'est langue maternelle et dans le cas de Haïti ou joine que 80% professeurs qui soi-disant a enseigné dans la langue française, yo pa même professeur 80% professeur ça yo pa même gen compétence dans la langue française. Et là moi cité travail Benjamin Hebblethwaite qui fait nous connaître que 80% de professeurs en Haïti qui soi-disant a enseigné en français, yo pa même gen compétence dans la langue. Pour yon enseigner. Donc, c'est une stratégie élite closure qui mettait en pile haïtien en dehors. Et li affecte nous dans tout sens, dans l'économie nous, et la crier. Incroyable. Ouais. Merci, docteur Lubin. Prochaine question. Hein? Participant dit, ça c'est pour toujours. Après exposé, là, li évident que doit gagner une thérapie. Est-ce que c'est dans le système d'éducation la passé? Si oui, est-ce que n'a pas intégré psychologue dans le travail ça? Ça sont belles questions et moi-même avec moi-même avec Roselor nous gagnons une thérapie vraiment vraie pour haïtiens que n'a travaille sous lui et dernière fois que moi était dans Haïti éducation moi était ba nous en lugal un petit préface côté que nous garder dans sens que façon que yo t'es falsifié conscience haïtien falsifié et te gon plan macabre qui te mette en place pour ça que commencé dans les années 1825 côté que ou pral joindre Charles X qui pral voyer Gaspard Molien Théodore
pour l'étudier haïtien avec en Haïti pour voir qui meilleure façon pour la France établi yon régime néocolonial en Haïti. Comment que pour recoloniser Haïti. Donc, yon recommandation Gaspar Molien Théodore te fait à Chaldis, c'est que faut que Haïti, faut que la France colonise cerveau surtout élite haïtienne. Donc, c'est par conséquent, c'est ça que fait yon pral vin voyer prêtres qui sorti non parti en France qui est les Bretagne des prêtres bretons côté que yo même yo c'est des pro esclavagistes des monarchistes c'est yo qui pral vinn former frère instruction chrétienne en Haïti qui pral former cerveau élite là pour falsifier conscience là donc oui nous besoin yon thérapie et pour sacriver nous n'a parlé un groupe moun jodi a moun après les Pierre Lubin Roselot François nous pas même français etc. Donc une façon que ou jouer avec identité moun c'est rébellion non etc. Donc c'est l'regarder l'autre moun gen l'autre moun yo té colonisé tout tant qu'on dit par exemple un juif on dit chinois mais elle paraît devant l'idou non dans shopping ou ouais, c'est que son chinois donc dans le cas de nous même nous besoin thérapie et dernière fois moi j'étais avec Haïti éducation moi t'ai dit même gens après guerre mondiale 2 où il y a deux intellectuels français juifs notamment qui relait Jacques Durinam avec Victor Frankl yo te wè pour tout ça dégradation toute péripétie peuple yo a te passé peuple juif là yo dit que peuple ça pas fouti scène li pas normal donc par conséquent yo même yo te créé yon thérapie qui relé logo thérapie pour thérapiser juif qui te souffri en bas main nazi yo donc yo même moi crois que haïtien nous besoin même bagaille là ouais nous besoin thérapie malheureusement thérapie ça pas jamais fait et contrairement nous joignent invariablement tout agent de socialisation yo continuer à perpétuer falsification ça yo et yo continuer à coloniser cerveau ouais donc oui nous besoin thérapie et comme moi te promettre nous ça gagne un bon bout de temps que moi-même avec docteur Ozo n'a travaille sous en thérapie et très prochainement n'a offrir comme un cadeau et nous souhaiter que communauté a va prendre yo va embrasser et yo va utiliser. Oui, nous besoin ça. Merci et il fait 8h06, j'ai quelques peut-être 4 5 6 questions devant moi. Est-ce que n'a prend yo? Oui, n'a pas. Sans doute. Eh bien, OK. Ma priorisé et des commentaires avec des questions. D'abord, qui sorti sur Facebook, parce que nous avons environ, nous avons 222 personnes là. Donc, n'a pas prendre. Et participant, il dit, belle présentation. Cependant, question, nous avons, comment nous avons utilisé le concept Sankofa? Comment nous avons servi à qui histoire passé nous pour nous avancer devant? Préparer un futur meilleur. Ma bonne question. Ma prend question ça parce que moi très familier avec une notion symbole Sankofa. Pour moun kap koute nous là qui pas connaît ça Sankofa, c'est un oiseau mythique nan que peuple akan yo dans pays que jodi a après les Ghana yo adopté mais c'est un oiseau li toujours retourner en arrière côté que là il prend ze al quitter avant que là les devant et sans doute clair et comme moi quoi présentation noire illustré c'est que sous pas qu'on passé ou c'est un coup ou désorienté n'importe moun qu'apprend ou li fait salve avec ou elle ka même faut faire des bagailles qui diamétralement opposé bienveillance ou et qui cause destruction et nous même haïtiens c'est une bagaille que nous subit
côté que depuis commencer dans plantation hein, y a falsifié passé nous, y a engendré ça que m'rele amnésie historique la caï nous, comprenez? Donc qui fait nous désorienter. Comprenez? Nous pas ancré, nous perd du tête nous, nous voulons toute l'autre bagaille sauf nous-mêmes. Ouais? Donc un Sankofa qui dit que faut que nous retourner à chercher passer nous avant que nous avancer devant. Si nous pas fait ça, nous pas qu'à faire devant vraiment vrai. Nous complètement désorientés. Donc c'est ça qui fait vraie histoire nous, mais pas ça que Colomb offrit nous ou bien l'autre intellectuel haïtien qui influencé par Colomb en ban nous. Si nous restons dans histoire ça yo, nous foutu. C'est juste ou après que yon jou, yon pralouè nous nan musée, même gens que jodi a ou après, on sait des parents pral mène petit yon nan musée, pral di yo, te, il fut un temps te genye un groupe moun ki te rele le Taino Arawak ki te occupé espace géographique sa ke rele Haïtia, mais yon pral avè nous jodi a. Donc, passe nous, li crucial, et faut que nous al rencontre avec passe nous, pour nous avancer devant. Et ça, c'est importance, vraie histoire et correction d'histoire. Merci. Et Dr. Lubin, prochaine question. Participant dit, dans le contexte pour changer constitution pays, qui genre d'intellectuel tant que ou même Dr. Lubin ou même Dr. François, nous sommes capables de sensibiliser et mobiliser l'autre intellectuel? On en fait personnalité encore, il dit tant que Trouillot, depuis Coulier, pour nous être capables d'aider la philosophie de Saline dans la nouvelle constitution pays et pour l'esprit de Saline capable de traverser tout Haïtien. Ok, je vais répondre à ça. On dit maintenant, pour le moment, c'est bon, qui. Est-ce que vous entendez bien? Vas-y. Et là, vous entendez bien? Nous entendons très bien, vous m'avez parlé. Pour le moment, c'est bon, bagay qui n'est pas faisable là, pour le moment. Ça? Parce que pour nous arriver à faire changement, ça, il faut une masse critique. Il faut un groupe moun, ouais, qui prépare tout ça. Un groupe moun qui a l'esprit, soit l'esprit guéri, genre de tel chizil là. Et ça, il faut préparer ça. OK? Parce que quand il y a pour le moment, on tout bien. Moi-même, je suis pragmatique. Je suis un terrain, je suis un terrain miné. Terrain, qu'est-ce que ça les gardiens de l'ordre néocolonial français en Haïti. Quand il y a là, si on a laissé il y a mangé. Mais son groupe haïtien qui vous fait ça. Et pour me faire ça, on a sensibilisé le peuple là. À bon leadership collectif pour nous cabrer ici. Mais quand il y a un moment, parfois même les gens qui disent qu'ils ont collaboré avec eux, nous savons ça. Parce que moi-même, je lis le rapport Régis là, le rapport Régis de Bréa, en 2004. Le rapport, c'est un rapport que nous avons fait, nous avons évalué le rapport à Molière. Et là, il fait une recommandation pour la France. Et la France a un pile d'agents sous terre, agents gardiens. Next, dès que vous venez pour changer la réalité, vous avez même tué. Parce que vous avez déjà une histoire qui a essayé déjà. Mais vous avez pour vous dire, vous avez pour vous dire. Haïtien. Réforme d'Atig. D'Atig. Ouais, d'Atig les... comme l'at. 1941. D'Atig, tu as essayé déjà, essayé mon système. Vous comprenez? Kounya, c'est sûr que je ne vais pas faire mes meilleurs d'attitude. Kounya a comme parce que Kounya a mes outils, parce que mes outils académiques, mes recherches, mes documents, mes informations. Mais ça, il faut que je prépare avant. Kounya a une situation qui est là, qui est là, ou qui est un aspirine, ou qui un calmant pour la douleur. Mais Kounya a une soirée, qui est là, attention. Et même avant le trouillot, il y a deux trouillots, pour moi-même, c'est ce que je connais comme beau trouillot. Même si il y a moi monsieur il y a moi je vais faire effort par contre il y a monsieur comme ça habiter avec frère
travail frère là, moi travail frère là, travail au flot, moi madame ça a changé. Mais dans le temps, c'était un petit peu trop francocentrique. Mais bon trou on a dit c'est Wolf Michel Wolf tout. Son l'autre perspective, son l'autre bagaille. OK? Moi pas que dans dernier ce qui me fait, je commence à améliorer mail va comme ça. Mais comme dans Haïti, comme en Haïti, la France a trop influence culturelle en Haïti. Parce que je veux que vous compreniez. Il y a des Américains aux dominations économiques, là, domination politique, là. Il y a même des Français domination culturelle, là, avec formation politique, là. La France forme ni les politiques, ni les intellectuels, là. Et puis, il y a des Américains. Et de vrai, ça n'a pas pour aller. Il dit que les Américains, il n'y a pas ennemi, il y a une compétence de l'autre. Même Jean-Maud était dit, ouais, il y a une compétence de l'autre. Il dit que il n'y a pas ennemi, il y a une compétence de l'autre. Ça me dit. Américains qui ont économie, politique, ils ont une culture, là, mais yo, éducation, là, mais yo, avec formation classe politique. Là. Donc, nous ne sommes pas réalistes, nous ne sommes pas la terre, nous ne sommes pas là. Merci, docteur François. Un autre commentaire qui sorti sur Facebook et m'a réagi sur lui. On a dit, li bon pour tout le monde noir, tu as fait l'école le week-end, les après-midi, pour tout le monde jeune. Même gens juifs, arabes, asiatiques, yo fel, professionnels, yo, moun visibles, yo, te ka mette tête ensemble pour enseigner kilti, langue, ak histoire nou à nouvelle génération. Yo. Donc, en d'autres termes, bon bay kon parle soit Haïti Education, c'est à peut-être sortir en part-time, non? Fait job la full-time, fait l'école week-end, fait l'école après-midi, ou ti moun. Jeunes, même gens que mon participant dit, même gens juifs, arabes, asiatiques, yo fait li, professionnels, yo, mon visible, yo te capable de mettre tête ensemble pour enseigner culture, langue, ak histoire, nous, à nouvelle génération. Réaction. Merci, ça sont belles suggestions, on nous prend. Et comme tout bien que, et livre que nous écrit à la, adieu le collège, juste là, livre à son mouvement lié. Je pense que c'est COVID là, qu'il y a là qui vous dit en limite nous, mais si tu as une situation normalisée, je pense que livre là, Votre livre là, campagne livre là, ça va mon affaire son mouvement qui vient avec tout ça dans la communauté. Parce que parents ont pas décidé pour faire ça dans la communauté comme solution. Et merci mon pour suggestion ça parce que c'est ça n'a pas vendre parents idée ça pour communauté à faire ça. Donc il y en a plein de Covid là parce que il y a pas pour faire bien, il mieux que vous faire présentiel. Ouais donc mais votre livre là va marcher tout ça. Son mouvement là. C'est pas parce que moi j'ai un rapport moi avec nous hein, mais son livre effectivement qui vaut la peine pour mon lire et presque sous deuxième lecture li, et pour me regarder me passer là bas microscope tout docteur lui donc yes. Ça vaut la peine mais définitivement ça vaut la peine et me penser que et c'était commentaire nous t'ai fait là nous t'ai présenté livre ça soit éducation en tandem quoi aujourd'hui hein. Nous t'ai déclaré que son condensé nous a fait toute une collection à livre ça. Et m'a pas quoi m'te exagéré. Et oui, vous voulez parler? Oui, moi connais monde qui m'a des questions ça ne quitte à l'amour, merci pour belle question ça et nous tomber d'accord. Et c'est malheureux que même nous jodi a nous prend cerveau si moun yo nous lagué yo nan men on série de moun qui pa gen bonne intention pas tout moun mais nous connaît que surtout an di nan contexte États-Unis ou bien Canada gagne yon série de moun qui remplacer robe blanc Ku Klux Klan nan pour le vin yon professeur ou bien yon police etc. Donc gen moun sa yo nan classe dans l'école c'est yo qui a fait éducation ti moun nou donc yes tant kou jan que l'autre moun fait yo établi yo non façon que pour yo défaite en pile des autres qui a fait dans cerveau petit yo donc oui nous ta supposé toute organisation presque nous gagne l'église centre communautaire etc. Yo ta supposé gagner côté espace qui a vinn rééduquer petit nous et qui a ba yo en éducation qui un
fait yo remet tête yo, deux remet l'autre haïtien pareil yo, et trois remet Haïti. Donc sou gade à la base de sa l'autre moun sa yo qui créé l'autre l'école à pas de l'école générale pour petit yo, souvent dans centre là c'est ça que y a fait. Y a fait petit, y a transmettre culture, y a assuré que petit yo pas aliéné, y a assuré que petit yo remè moun ki même moun avec yo. Ouais. Donc c'est ça qui a fait et nous-mêmes comme yon groupe moun qui gen pile moun qui pa remè nous, surtout nous-mêmes nous ta doué a faire ça. Côté que nous gagné propre l'école nous gagné propre centre communautaire nous qui a façonné cerveau chovio. Oui. Donc moi d'accord avoir Nikita l'amour. Et moi préparer nous-mêmes préparer pour nous collaborer avoir dans une aventure comme ça. Très bien. Merci docteur Lubin. Prochaine question, participant dit où Dessalines c'est papa nation hein? Et comme papa pour qui sa majorité petite lio gen difficulté pour yo adopter comme modèle et kembe tête ensemble li te met sous pierre. Bon, son bagage simple actuellement ça nous dit gon et gagne nous t'en très clair, ou pas même besoin de formation en pays. Actuellement ça que on pensait en pays là, ça que français récompensé tout, parce que tout est alors et surtout corps groupe là, c'est l'ouverture récompensé. C'est pétition récompensé. Donc haïtien arrangé pour le bail comportement pétition, pour le bail discours pétition, pour le bail comportement tout ça l'ouverture au moins c'est ça blanc récompensé. Donc c'est ça et ça qui gagne prix d'elle. Donc c'est comportement ça qui fait le bail. Même parce que faut que nous vienne information et ça son gouvernement allié. Commencer gagne monde capoter discours, capoter message là. Faut que nous faire un peu littérature tomber sur terrain entre en Haïti. Faut que nous faire jeunes yo qui dans université yo, faut que yo lit leur travail. Ça fait nous écrit, nous produit, n'a publié donc pour jeunes yo libéral dans la conférence. Malheureusement, il y a la insécurité avec nous parents qui rentrer en Haïti, pendant la conférence, pendant la jeune yo, pour nous tailler l'autre bagaille. Ouais, parce que nous ca faire ça, n'a fait ça. Et en parlant comme tout bien, MMP et gain nous un projet de pour nous proposer une politique éducative de rupture pour Haïti et même nous gain méthode, nous gain façon pour nous proposer pour créer une masse critique. Ouais, très bientôt docteur Libien avec n'a vina projet n'a vina bagaille et nous même font travail sur ça sur IT éducation one. Donc nous la font bien sur ça, donc nous gain plan, on travaille, nous gain plan de façon nous parce que nous gain capacité, nous capable n'a vini mais on veut que pour y aller terrain un petit peu miné parce que bien en pile agent colonial sur terrain et next ça yo même bien même quatre tuer pour ça ça veut dire les fameux gardiens de l'ordre néocolonial français en Haïti nous connaissons. En tout cas, et on prend liberté hein, pour me dire que plateforme Haïti Éducation, elle est ouverte, elle est disponible à n'importe quel moment. Et prochaine question, participant dit est-ce que c'est pas dans même voie Milat Montéan seulement que dans l'histoire d'Haïti et que même drapeau a rapporté que c'était une milatresse Catherine Flon qui était coude li. Qui crédibilité histoire Catherine Flon? Et femme dit bien, parce que c'est pour une question histoire, non, et pour une question de histoire. Et en fait, nous connaissons que, effectivement, ça vrai, nous dit que j'en dis là, David Nicole a analysé le texte, j'ai écrit, montré que y a les mulattes, clan mulattes là, qui écrit une version histoire pour voir mulattes monter, pour voir pétion monter. Mais tout, faut connaître tout en dans histoire, tout fond de mulattes, tout vrai place. Il y a une place dans l'histoire. C'est comme de bien parce que les gens nous disent là, il y a des mulattes vraiment qui. Par exemple, un personnage historique qui était vraiment anti-français, vraiment, c'est le Jean Zombie. Son un personnage que nous ne pouvons pas contenter tellement en Haïti. On est qui. Mais son personnage, il y a encore Fatima, son. Fatima, Cécile. Cécile Fatima, son mulatte qui était tout.
Gaba, Baron-Tonnerre, et Minat avait dit, il dit ça déjà, Minat, tu comptes, il y a une personne dans l'histoire, il y a une personne, il ne faut pas y aller comme ça, il y a une personne dans l'histoire. En garde l'idéologie. En garde plutôt l'idéologie, l'idéologie plutôt. Parce que ce n'est pas ça qui est important, c'est l'idéologie. Et jusqu'à maintenant, nous voyons que Akaye, nous voyons Akaye, c'est Akaye, son de saïté qu'on a là souvent. Et la méote, côté comme si Akaye, donc c'est la grande guitare qui était là, et Catherine Ponte était là, tout le monde. Donc bon, c'est des mignons comme si histoire connaître ça. Oui, t'aimes ajouter yon petit bagage, docteur Ozo. Donc, c'est plus en concentrer sur l'idéologie, en mettre en phase sur ça. Tant que, hey, on dit si que moi t'as obligé collaborer avec un Jean Conze, ouais, qui était un noir, versus moi j'ai opportunité pour même collaborer avec un blanc, tant que John Brown, qui idéologiquement correct. Mais blanc ça li si tellement te idéologiquement correct li fè yon bagay ke m pa konnen trop haïtien préparé pour faire li prend propre zam kounye a pour l'al combattre l'autre blanc qui te souscrit à esclavagisme qui c'est esclavagisme ouais donc en transcender sous ta vle phénotype ça que ou apwè mais en plus garder idéologie en garder praxis là et même dans rhétorique là faut faire un pile attention parce que surtout politiciens nous yo politiciens haïtiens souvent rhétorique li correct ou bien doit même ouais que li gon discours désaligné mais action li praxis li souvent gen doit même diamétralement opposé rhétorique désaligné que le gagnant. Donc on pas concentré sur phénotype façon moun sembler, ça c'est rance. Premièrement nous connaît et comme moi était on l'aime te passe c'est nan Haïti éducation, m'te fait nous connaît que a fait notion blanc, couleur, race là son invention que lié. Nous connaît avant révolution Bacon qui était faite États-Unis aux États-Unis dans le 17e siècle, concept blanc pour qu'on même exister. Ça son concept yo inventé à cause de blanc avec noir que un groupe dominant blanc t'a exploité dans colonie Virginie États-Unis, yo mettait ensemble et après ça, après rébellion ça qui t'a fait un an, qui durait un an, côté que yo réellement mettait bon bâton dans roue en classe dominant qui était blanc, mais c'était blanc et qui collaborait avec noir qui pouvait faire rébellion. Rébellion ça, y aurait les rébellions bâton ça, c'est juste après rébellion ça, ou pral vin gen notion ça que après les blancs qui sont bagay qui créé, qui sont invention. Donc, plus concentré sur idéologie. Idéologie très important. Si nègla ou bien femme, ligon en idéologie assimilationniste, côté que même Japétion, côté que li vle fè un seul avec un oppresseur, ou li pa bon. Si ligon en idéologie négociationniste, tant que tout c'est l'ouverture qui toujours voulait faire deal avec colon derrière ou prendre un haïtien li pas bon s'il gagne yon perspective yon idéologie un isolationniste tant que Christophe qui voulait hey m'pa vle blanc là-dedans mais m'a fait même ça blanc vle faire m'a établi un système féodal nan nord là même j'ai avec blanc et m'a établi gros fort moi gros citadelle moi met gros canon sous lui depuis au vini m'a plagué boulette nan fayou ça pas bon tout non plus nous besoin idéologie désalignée qui pragmatiste qui réaliste qui anti-colonialiste ouais qui anti-racisme qui anti-esclavagiste c'est ça que nous besoin et l'ité mette mulat
blanc, noir, we don't give a damn. Yeah. As long as you are anti-racism, anti-colonialism, anti-oppression, c'est ça qui est fondamental, c'est ça qui est important. Et pour moi, je ne peux pas me dire que tout, je ne peux pas dire que tout, je ne peux pas dire que tout, je peux mettre tout poil dans la balance pour éliminer la question pour le temps. Et dame, Diane Johan dit que, qui ça a fait? Il a fait deux gros bagailles. Oui, mais il a dit à la question race là, Jean-Alain dit là qu'ils sont construction coloniale, qui attaque lui, la constitution là, article 14-16 là. Deuxièmement, question terre. C'est de base ça, vous avez quitté et c'est tué aussi. Donc je veux dire, et Badou, on va avoir ce pied là. Je veux dire, la France, et pas mieux, je veux dire, qui puisse plus au danger pour Haïti, je veux dire. C'est une noire parce que c'est une noire qui est étudiée, puis je veux dire, elle-même qui est au doctorat. J'ai un doctorat qui est donc je veux dire, en pile d'annexe, c'est au même que la France est préparée, casse politique, c'est au même qui vient servir pays, qui a servi Haïti là, qui a servi casse militaire, qui a servi corps groupe là, en Haïti. C'est au même qui étudie plus. Je veux dire, militaire, pas tellement à l'école. C'est au même qui vient à la France, c'est au même qui vient booster social à la France, en Europe, au Québec. Et puis pour tourner, vient Québec système en place. Et c'est au danger, c'est au même qui va combattre. Changement dans le pays. Donc, c'est au même point de attention. C'est idéologie. Merci. Et nous avons plusieurs commentaires. Je vais quitter pour finir. Je vais simplement poser une question. Et histoire formation sociale haïtienne, pas campé à Kéo indépendance. Qui impacte choc esclavage? Expérience traumatique esclavage là gagné sous génération qui vient après. Yo. Ma contre si question claire. Histoire formation sociale haïtien pas campé à Kéo indépendance yo. Qui impact choc esclavage expérience traumatique esclavage là gagné sous génération qui vient après. Yo. Well, gagné cher gagné intellectuel tant que par exemple, Dr. Joy Degree Leary, Dr. Joy Leary, qui fait qualité de travail, ça à côté qui garde que impact trauma, c'est que séquelle colonisation li intergénérationnel, que à nos jours, que l'affecté. Et réellement, pour moun qui lit anglais, malheureusement, en pile de travail, ça, yo, c'est en anglais que yo yé. Mais Dr. Joy Leary li gon livre qui est le post-traumatic slavery syndrome post-esclave post-traumatique. Donc, yon par exemple, li identifié en série de traumas et manifestations en série de traumas la caille par exemple noir. Et parmi la dan yo, gagné ça que li rele que phénomène crabe nan panier ya côté jodi a ou est souvent gon se ou gen pou wè haïtien gon tendance lè que yo wè l'autre haïtien a fè yon série de bagay gon série de jalousie qui développé ou gen droit wè yo a traîner l'autre descend c'est un coup prend yon dal crabe mettez yon non bokit ou bien mettez yon non panier ou pas besoin même mettez couverture sous bokit la ni panier crabe yo pas fait yon pas parce que chaque temps yon a essayé gen habilité pour le monter pour le sortir l'autre après aller traîner le descend donc gagne yon l'autre manifestation que docteur Liri identifié côté que ou gen droit ouais on série de bagay ou gen droit noir là en général li sous les nerfs elle pas même connaît pour qui ça nerver li crispé comme ça comprendre bagay qui simple oui comprendre qui porte le sous les nerfs li crispé etc. Tout ça yo c'est trauma et encore qui prêtait tête li à ça que nous t'a parlé pas trop longtemps côté que haïtien li besoin yon thérapie collectif parce que ou parler yo prend non moun yo prend religion yo prend culture tout ça qui considéré essentiel moun yo dérobé yo prend yo dénide donc yo prend essence donc nous besoin yon thérapie collectif
parce que nous traumatisés, mais comme docteur Liri notait tout, même dans nous-mêmes qui paraît que nous pas traumatisés, ça pas veut dire nous pas traumatisés, mais tout chaque individu a une façon que il réagit à trauma. Il y a un individu qui fait une expérience qui traumatise ou qui doit ouais, il freak out, il pas là ou elle a exhibé une série de comportements psychotiques. Mais comme ça, tout gen on sait des individus, ça nous déclare les foudoual traumatisés, mais les calmes, mais le fait que les pas crasés, brisés, nous pensons que tout bagay, ok, normal. Non, c'est juste façon que les réagit lui-même à trauma, mais nous traumatisés. Bah, dans la Haïti, ouais, dans la Haïti, à côté de la Haïti, c'est plus grave. C'est parce que après colonisation, je dis à recherche montre que ça a une série de mécanismes. Colonial, structure coloniale est en place. Pas qu'il y a un bouger. Au contraire, il est renforcé. Je veux dire, gon théorie, gon concept que les Américains ont développé, qui consacre les colonialités. Colonialité, quand ils montrent par ça, même les appareils coloniales sont déplacés, mais à travers livres, universités, formation intellectuelle, puissance coloniale continue à dominer l'esprit à toujours. À reproduire. Et ça la fait là, la colonialité. Ouais, littérature haïtienne, dans son littérature française, surtout français. Donc, haïtien, on va dire, donc, moi-même, je pense quand même que, je vois Wanda faire là, Wanda a une chance avec ça que tu es là, le génocide là, pour mettre la France dehors en Wanda. Wanda fait une rupture. Pendant 25 ans, Wanda a suspend apprendre français, suspend par français, ou français à côté. Donc, on coupure qui fait, on coupure qui fait. Et, de ça, il te dit ça à la nation. Il dit que tout autant que Mounsa ou la mitano a toujours des malheurs arrivés nous. Parce que c'est eux-mêmes qui attisent malheur nous. Et je dis à son regard, fait la fait, ouais, ministère pire dans le pays, ministère éducation, ministère culture, la France contrôle des pieds en tête. Mais on est consulté dans tout partout, et puis on est agent interne, agent externe dans le ministère de l'éducation nationale. Donc, vous avez dit, Haïti, ça nous cela encore, ben, ça son bagage, nous son bagage, nous son bagage, qui demande des gros batailles politiques pour déchouquer, déraciner, ben, ça, en un pays. Vous comprenez? Pour qu'on rupture qui fait, coupure qui fait. Et là, c'est là, faut que nous tournions l'idéal de sa lumière. Parce que moi, je me connais que, quand on a Haïti, ça qui en fait, qui fait bien. Parce que après, Haïtien, là, il s'est pensé, ouais, comme son français, on français négatif. Et on va trouver Haïtien progressiste, jeune progressiste. Depuis la France, hey! Il m'a fait. La tapture. Bon, mon dame, en haïtien, il m'a élite là, intellectuel là. Je rencontre, elle m'a parlé avec elle, elle m'a dialogué. La bonne, elle m'a patriote, comment elle est en Haïti. Il dit, moi, ça que, il est en Mexico, là, il est en Mexico, il est enceinte, la couche, elle m'a couché à Haïti. Il va aller aux États-Unis, il est en Mexico, il fait ses haïtien. Il est patriote. Il dit, moi, après 12 janvier, tellement il est en Haïti, il va partir, il couche à terre là, il est en Haïti. Quand il y a l'autre, j'en ai un fond, j'en ai besoin de faire l'anglais. Je me dis que quand il y a la couche, j'en barre là. Parce que Gambi Milat qui a besoin de comprendre ça. Que Haïti a besoin d'anglais, espagnol plus que français. Je me dis que quand il y a un barre là, il y a la géopolitique là. J'en anglais, parce que français, il perd du poids. C'est moins de 4% de connaissances qui publient en français. Donc, je me dis que t'as bien que nous font un petit barre, nous prenons anglais dans l'école de plus. Il dit, hey, il dit, ouais. Sous ta mise, c'est du basse couillon là, on quitte le pays. Donc, ouais. Il va quitter le pays pour 12 janvier, ni les lettres de Mexico, mais parce qu'il me dit français à Kounia là, il a quitté le pays. Donc, mon travail avec tout le monde, c'est ça, son bagage qui est terrible, c'est les gardiens de l'ordre néocolonial en Haïti. Ouais? Et nous, ça n'arrive pas à l'ordre des Arimes parce que la France est là. Yeah. Très bien. Mais, ok. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tout, faut que nous gagnions compassion pour nous comprendre. Ça fait le konsa, genèse là. Et comme nous sautons dans la présentation, c'est que les que ou gagnent yon bourreau qui a dominé pendant tout le temps ça, ou ont tendance pour identifier avec bourreau. C'est ça que après les Stockholm syndrome de Stockholm, on dit que ou prend on kidnapper, li kidnapper yon moun après yon temps gen en pile moun qui vin identifier avec kidnapper. Ouais, c'est ça yo rele Stockholm syndrome. Yeah. Syndrome de Stockholm. Ouais,
côté que ou vin identifier avec bourreau, avec transgresseur, c'est youn. Et deuxièmement, faut que nous pas oublier malheureusement zan, un pétion, ou bien Christophe, yo al fait erreur ça, yo invité bourreau a que yo te bataille, yo te rentré dans coalition pour yo voyer bourreau aller, yo réinvité bourreau vinn faire entre guillemets éducation pour nous. Que moi-même à docteur Ozo en citant Carter G. Woodson nous relait mal éducation. Ouais, donc c'est un coup nous invité bourreau à venir mettre chaîne dans notre cerveau nous et à nos jours chaîne dans notre cerveau nous toujours, parce que comme docteur Ozo fait allusion, yo contrôlé ministère éducation haïtien. Ouais, ça c'est clair. Oui, vive ça, moi ça même. Donc c'est chaîne li nan cerveau nous. Donc faut que nous gain compassion pour frère nous action nous yo, et pour nous comprendre tout que changement c'est pas un événement mais son processus que lié, et ça prend temps pour nous comprendre, nous gain compassion, ça fait frère nous action nous yo agi Jean yo agi a et yo penser Jean que yo penser a, mais avec respect, avec un pile d'amour pour nous toujours continuer à essayer faire travail de transformation. Ouais, merci. Et dernière ligne droite, n'a pas l'état le comme ça, 5 commentaires juste n'a pli yo et nous capable dire ça nous voulez sous yo. Excusez-moi, il y a un monde qui est en mute. OK. Donc, il y a une question et une dernière question. Participant a demandé comment nous comprendre un monde qui a marché dans l'ancienne plantation, côté qui était esclave, et qui attendait voir l'esprit ancien esclavio qui a demandé justice et pour établir valeur humanitaire. Et me pose question hein, Jean participant à Mandel. Yon esclave kap mache? Comment nous comprendre yon moun kap mache nan ancien plantation côté qui te gen esclave? Oui. Et qui attendé l'esprit ancien esclave yo kap mande justice et pour établir valeur humanitaire? Bon, je pense que ça va dépendre de qui perspective cap traverser moun sa ki l'implantation sa cap tande voye esclave yo. Et docteur Lubin, on mute tête ou parce que son seul micro. Nous tande docteur et François très bien, ou met on mute tête. Voilà. Ou met aller docteur et oui, donc je bien pas rien. Oui, donc déjà mute you non monsieur. La perspective nous camper, il y a nous camper, c'est vrai, il y a nous camper dans cette camper dans plantation hein. Mais nous on perspective la tête nous et papa nation qui peut venir demander justice pour ancien esclave. Donc il me passe que je dis plus que justice que d'avoir prendre des alines, c'est fait haïtien qui est ensemble pour démarrer. Plus que justice de prendre des alines, c'est il veut que nous racher éducation pays là dans les français. Que nous retirer nous venons une grande tête non nous prenons éducation en main. Donc je veux dire ça fait nous une perspective des alliés. Donc monde ça et ça va dépendre de qui perspective qui est dans lui même. Ce sont monde qui perspective pétion ou Toussaint ou l'ouverture, donc bon pour lui même tout bas enfant donc ça haïtien et haïtien a toujours été dans lui. Donc ça va dépendre de qui perspective qui est dans lui. Ça fait libre je veux dire pour notre travail de Jean docteur ici dit là pour nous pour faire conscience là. Pour que nous défatiguer pour ça. Très bien. Merci, docteur François. N'appli commentaire yo et n'appli yo d'un trait. Et puis après ça, nous-mêmes, nous réagi pour nous capables de passer le mot de la fin. Gagne un commentaire qui était sorti sur Facebook. Et c'était même mes participants. Et lui dit même si philosophie Platon, c'est un poison, faut nous tout apprendre et ces pensées Platon
Socrate avec Monsieur Période Lumière yo, et quoi Kant, Rousseau, Montesquieu qui boussole société occidentale là. Un commentaire. M'appli l'autre commentaire yo et puis n'a pas seule réaction, m'a pas si mandé nous trop ou bien nous voulez c'est un à un. Jacques vous voulez. OK. Et l'autre commentaire là, commentaire yo et participant enchaîné plusieurs bons commentaires, il dit selon Claude avec Bonaparte Auguste à campil l'autre source, pas gain preuve drapeau bleu rouge là créé à Caen. Et participant font commentaire, il dit question race là, c'est une construction coloniale. Mais ça c'est quoi avec nous Alain Bural? Il continue pour dire l'important pour nous faire différence entre abolitionniste et raciste. Et il finit pour te faire un commentaire qui est assez intéressant. M'a fait nous remarquer une différence fondamentale entre Dessalines et Toussaint. Dessalines rentre toute plantation et atelier dans le domaine de l'État. Toussaint pas qu'à traverser l'île. Okay. Donc, nous avons réagi sur ça yo, et puis nous apprenons pour avant le mot de la fin, nous apprenons et remercions. D'accord, ma pensée réagit. D'abord, question que vous avez posée tout à l'heure, c'est une question qui a un aspect mystique dans la mystique. Donc, les gens qui ont plantation, il y a des gens qui ont parlé avec eux. Parce que dans Boudoua, peut-être que ça sont tous les gens qui ont Boudoua. Et vous connaissez que dans Boudoua, par exemple, il y a des lois, par exemple, les salines n'ont pas été en Boudoua, sont loyées, donc les salines gagnent comme si que vous doit. Bon, c'est sûr que Boudouisan qu'on attendait, et des bagages comme ça. Et parce que je veux dire, ouais, c'est le paradigme, vous voyez, c'est le paradigme Boudoua, ça a fait être possible. Et je veux dire, même monsieur post-politicien, il connaît ça, son bagage est possible, et son bagage, il n'a pas expliqué pour expliquer, mais il est possible, ouais, ça a fait. Et la cosmogonie. Vodoua pa gagné la mort moun pa mouri ouais c'est pas esprit ou pa ka ni créer esprit ni détruire esprit on dit na terme physique ouais donc les que soi-disant entre guillemets yon moun mouri na cosmogonie vodoua c'est que moun nan jambé li traverser la non l'autre plaine mais li pa mouri. Moi-même, maman jambé en avril, mais moi gagné, moi assuré nous et pas penser que moi fou, mais moi en communication avec maman régulièrement et religieusement. Donc, dans vodou, dans cosmogonie vodou, pas gain question mouri. Donc, pas quitter un monde qui t'a fort penser que ah, mon cher, c'est non l'autre monde que vous avez, que vous avez des voyants. Non, mais moi-même, je respecte ça. Oui, il y a des gens qui attendent des voix. Et si vous avez une préparation qui fait, qui a un entraînement qui fait, ou qui attendent des ancêtres où vous avez parlé avant. Et moi-même, dans le travail ça que je fais, ça qui me force, c'est que je connais des ancêtres où vous n'avez jamais la gueule. Et je n'ai pas peur. Et c'est ça qui fait ma pensée. Moi, pas peur, parce que nous prenons les ancêtres, ils sont toujours là pour nous courir. Oui, alors, pour les gens qui font suggestion sur, alors, qui vient à la lumière sur Platon, oui, Platon, Aristote, Socrate, ça, c'est société, c'est eux-mêmes qui font, société occidentale, là, ouais, les Kant, bah, mais quand on connaît que je dis tout, littérature critique, là, très dure avec ça, parce que eux-mêmes, c'était des racistes, esclavagistes. Et comme si et yo ba yo ça mérite déjà en dans littérature postcoloniale littérature décoloniale littérature afrocentriste ba da one ça one critique historique yo ba yo ça mérite déjà yo one donc yo c'est moderne société européenne yo ça dans la mais pas pour nous je dis faut apprendre comme je dis ouais ça genre ya et faut connaître toujours bien next ça tout quand tu rappelle que next ça c'est l'Égypte que yo t'apprendre c'est l'Égypte que tu copier ou t'imiter. On compte ça.
On toujours même comme ça. Ouais, et un grand souci pour ça dernier ça docteur Ozodia, c'est James dans sacré The Stolen Legacy qui montre sans équivoque que en pile dans ça que n'après les sciences, la Grèce etc., bagaille ça c'est connaissance volé que ancêtres nous que yoyé et donc et moi bon garanti tout même blanc qui anti-oppression, anti-raciste, yo pas souscrit à notion Platon, au vrai côté que nous jouons dans la République Platon, côté Socrate a fait un dialogue avec Glaucon et l'a dit que oui, l'a créé un mythe que un mythe de sang côté gen moun qui gagne l'or dans sa yo, gen c'est cuivre yo gagne dans sa yo et gen c'est argent que yo gagne dans sa yo. Ouais. Donc ça qui gen loyo nan san yo c'est yo qui doit à gouverner etc. Ouais. Donc même frère axe blanc nou yo qui anti oppression, qui anti colonial et qui est qui nan mouvement décolonisation, yo pas souscrit à malpropreté comme ça. Yeah. Maintenant pour moi arriver avec répondre à la question Alain hein, et différence entre abolitionniste et raciste, effectivement oui, grande différence parce que nous avec chercheur c'est un abolitionniste même c'était raciste et Abbé Grégoire c'est un abolitionniste mais c'était raciste. Ensuite faut nous comprendre tout et grand aspect tout et abolitionniste là n'est ça a été comme si tout était comme si pour Haïti était libéré. Mais il était comme si pour esclaves tout était copié modèle français. Donc parce qu'il y a le racisme culturel et c'est ça Jean Lisconnet dit ça tout. Il dit que de ça une bataille soit avec question raciste mais au niveau de ça une bataille pas atteint niveau racisme culturel là. Et vous comprenez ça parce que l'entame monsieur pas arrivé là. Et nous il y a nous même il y a rien vu là qu'il a déjà faut que continue l'évolution pas de ça. Faut que nous entrer dans racisme culturel là. Ça veut dire passer aujourd'hui connaissance n'est pas ça, on modèle nous pas la France, modèle nous pas l'Europe. On nous gagne centre nous, centre pas l'Europe tout bagage. Nous pas aller au centre aujourd'hui. Donc faut que nous et déconstruire ça. Ça fait une tant que chercheur, nous pas citer monsieur, mais faut toujours rappeler que il est raciste. Vous comprenez? Faut toujours rappeler que avec le droit raciste. Ça fait mba et bonheur pour nous mettre non monsieur, non avec le droit comme c'est Pétionville. On vous gagne le droit. On dit monsieur. Donc c'est ça. Ou bien, pour m'ajouter, prend un crédit à bail que c'est Abraham Lincoln qui abolit l'esclavage voilà. Dans les États-Unis. Mais sous lit Abraham Lincoln, Michel Dou que quand il s'agit de la comparer noir là avec blanc, il connaît que race, entre guillemets, race blanche, c'est une race supérieure et race noire là, l'inférieure. Donc, Abraham Lincoln. C'était un raciste dans ce sens-là, bien que c'est lui qui a crédité qui abolit l'esclavage dans les États-Unis dans les années 1865. Ouais. Et lui, si nous allons plus loin dans l'histoire, nous voyons que lui a fait c'est une stratégie parce que lui a besoin de Noirs qui dans le sud. Pour yo bataille contre ami l'armée confédérée ouais donc par contre li pat libéré esclave dans le nord yo parce que li pat besoin mais li libéré comme yon stratégie militaire pour créer chaos dans le sud li dit que li abolit esclavage dans le sud des États-Unis donc oui nous d'accord 100% avec frère nous Alain Louis Hall que gain abolitionniste gain le raciste et normalement nous même moi-même avec docteur Ozo et comme nous fait très clair dans le livre nous le raciste c'est pas un bagage que nous traiter légère et nous identifier quatre différents types de raciste qui surtout affectent nous notamment raciste structurel raciste institutionnalisé, raciste intériorisé, par exemple, ou jouen en pile noir. Majorité noire nous connaît, yo intériorisé le racisme.
côté que yo pensait noir yo même avec l'autre noir pareil yo inférieur et gen racisme structurel tout. Donc nous d'accord avoir 100% historien Alain Bihal. Merci docteur François, merci docteur Lubin et si m'a pli dernier commentaire c'est pas pour nous réagir parce que n'a pas obligé voyer moun yo aller et sinon on a prêté par principe et gagner et des mots de remerciement cité moun yo puisque yo écrit nous pour lui Oriol juste et exprimer remerciement ni docteur Merville Vertuli Vincent et exprimer remerciement yo et gagner Nikita qui était sur Facebook qui exprimer remerciement tout mais qu'elle relait les conversations tristes mais li utile et li mentionner tout comme commentaire que j'ai l'impression li pas peut-être pas considéré tel bestie moi-même mais li dit non pas parler de Henri Christophe et monsieur c'était un visionnaire quoique li était un tyran li ta bon pour nous ta étudier et suivre et vision bâti l'école et éduquer peuple et là et puis construit et un autre commentaire et participant dit Abraham Lincoln pas quoi blanc ak noir ka vivre ensemble c'est ça qui a l'origine Liberia et un autre commentaire encore oui nous pas ka prendre européen comme modèle mais faut que nous connaît penser yo JFK était raciste tout. Exactement. Et après ça, c'est un pile remerciement, un pile félicitation. Et je vais inviter nous tous les deux à bon mot de la fin. Yo. Sauf que Dr. Libem, j'ai l'impression que tu réponds à ça, mais m'appelle quand même. Et Guy Bozil te fait un commentaire avant l'autre et dit toujours oublier, remercier madame ou, monsieur dit ou. Et Dr. Libem, ou pas jamais oublier, remercier madame ou, simplement, ou toujours quitter sac pi bon pour oua en dernier. Donc, et n'a pas sac pi bon pour toute équipe en dernier là, mot de la fin, et le dernier ligne droite, et m'a gen bouche pour me dire merci, et m'a écrit question, m'a appliqué ça, et m'a noté tout. Donc, c'est des bagages extraordinaires. Et mot de la fin, n'a pas un genou, voilà. Qui est-ce qui a commencé avant, n'importe quoi. C'est moi parce que moi obligé aller à comme de Google Film bagarre là donc et excusez-moi mieux tout d'abord ma remercier Haïti éducation et remercier Zamim et frère Bozil et ma remercier madame Tounadej donc pour belle émission ça pour possibilité que vous accorder non et moi remercier toute équipe Haïti éducation qui rend possible programme ça. Donc je suis content en pile donc parce que très bientôt on va retourner encore parce que faut que nous présenter travail sur l'éducation projet sur l'éducation que nous gagnons hein. Donc on va retourner donc moi je remercie tout le monde qui participe tous dans les mieux dans même panel Melville parce que c'est panel là donc merci en pile panel de ce côté là Zami encore docteur Hippolyte qui est au Kai Alain Rural donc tout l'autre monde yo donc merci en pile Nikita tout le monde pour remarque pour belle question donc merci en pile donc Kimbela et à bientôt à très bientôt merci et moi-même là tout Nadej on mute docteur Lubin et on mute myself okay yes please. Très bien. Merci en pile Haïti Éducation avec tout staff qui t'a fait conférence ça, li possible. Et nous connaît que l'on nan cuisine nan, c'est parti travail, sans pile travail, sans pile chaleur, sans pile tête fait mal, etc. Donc, c'est à tout que nous apprécier ça. Et témoin. C'est qu'on y a remarqué que docteur Fanel Merville est avec nous qui sont collaborateurs et n'a travaille sur un série de grands bagages pour nous faire en Haïti notamment nous déjà créer un curriculum, nous préparer un grand programme pour nous instituer
un programme de leadership qui a préparé administrateur en Haïti, mais malheureusement, en vue de tout ça qui a passé, ça n'a pas matérialisé. Mais plan yo là et nous a avancé et nous a travaillé d'arrache-pied. Docteur Fanel Merville, moi remercie en pile, m'a remercié et m'a salué Marie Bozil. Je connais son monde qui toujours là pour supporter. Depuis que m'a présenté li présent et moi qu'a senti l'amour et gon synergie qui dégagé. Merci en pile Marie Bozil et m'a remercié tout l'autre monde que moi pa wè et connaît que nous dans cœur moi remè nous en pile c'est pas que et pas nous que moi-même avec docteur Ozo nouye et nous là pour nous servir nous. C'est ça. Donc pas hésiter depuis nous besoin docteur moi-même docteur Ozo avec moi-même juste souffler l'ambia et n'a pas là n'a préparé moi vraiment en pile à Rossini moi vraiment en pile Nadège merci en pile mille merci et bien et sous notre ça n'a pas dit tout que nous aimons quand ça d'ailleurs nous pas même besoin de dire encore et là les deux directions et Morgan Magie ces jours-ci ou a déniché et ou a identifié j'ai l'impression au son Google tout ou a identifié membre caché Haïti du action une après l'autre et ou a aller au mettre dehors ou a mettre projecteur sur yo c'est une bonne chose merci et c'est effectivement c'est un véritable travail d'équipe et ça mon yo wayan li pas équipe là son point dans équipe là lié chaque monde gagne job yo donc n'a pas fait job là merci pour présence sous effectivement pas Jean Marchand des concours docteur François pas Marchand del tout n'a pas remercié d'abord non pas mais n'a pas remercié tout meilleur monde production et n'a gen content nous pour nous présenter li pour nous veiller espace ça pour li particulièrement la relance après Covid là de et adieu l'école injuste on dirait son rituel depuis m'a présenté ou a présenté mais il est même il toujours devant moi ou elle dans la ça il est toujours là avec tout papier tout paquet pareil note qui prend la donne donc merci encore pour présentation hein. Porte-toi bien et puis à la prochaine merci tout le monde passons très bonne semaine et célébrez bien et ouais drapeau l'autre Dieu et puis kembe là bonne fête drapeau tout le monde merci.